Bonsoir, bienvenue à ce grand spécial entièrement consacré à Casablanca, la ville de tous les contrastes. Certains sont fous amoureux, d'autres la détestent, mais elle ne laisse personne indifférent. Durant un peu plus de 90 minutes, nous allons vous la faire découvrir sous toutes ses facettes. Nous allons la mettre à l'honneur, essayer de lui rendre ses lettres de noblesse. Nous allons vous raconter son histoire, son rayonnement. Nous allons conjuguer la ville au passé, au présent, mais aussi au futur, pour réfléchir ensemble à la façon dont elle pourra relayer les défis qui l'attendent, économiques, touristiques et culturels. De nombreux invités sont avec nous en plateau, d'autres en duplex depuis Paris, Londres, Washington, Dubaï et New York. Bienvenue dans Metropolitan Casablanca. Avec nous pour ce grand spécial, des invités prestigieux. Ça n'a pas été simple de les avoir avec nous tous ensemble, mais on est fiers de l'avoir réussi. Moi, je ne suis pas casablancaise, je suis tangéroise. Je me suis installée dans cette ville il y a quelques années. Mais alors, ce qui est compliqué pour moi, c'est que je n'arrive plus à la quitter. Et je pense qu'on est nombreux dans ce cas-là. Monsieur Bakouri, bonjour. Vous bonjour. Êtes le président de la région Casablanca-Stat. Vous êtes casablancaise, vous? Je suis de Mohammedia, donc... C'est pas très loin. Et dans mon esprit, on a toujours eu un regard sur Casablanca. Les 30 km qui séparent Mohammedia de Casablanca ont toujours été 30 km d'aspiration, d'une dynamique. Et je crois que cette dynamique continue. Et notre devoir aujourd'hui, c'est de la faire prolonger et de la projeter pour, au profit des générations futures. Mohamed Tanji. Vous êtes, les Casablancais vous connaissent bien, vous êtes un très grand collectionneur depuis des années. Vous rassemblez des archives, les affiches, les films, enfin tout ce qui concerne Casablanca. Est-ce que Casablanca vous a envoûté? Certainement, comme beaucoup d'autres, c'est une ville envoûtante en elle-même. C'est une ville qui me rappelle à chaque fois mes racines. Mes parents sont nés dans cette ville, mes grands-parents, mes arrière-grands-parents. Je ne connais pas d'autre issue que la ville de Casablanca. Zineb Andrés Haraqi, on a deux militantes culturelles sur notre plateau, deux artistes. On est vraiment heureux de vous avoir. Merci. Zineb Andrés Haraqi, native de Casablanca. Oui. Oui, oui, et fière oui, de l'être. Ah oui, et ça se voit. Oui. Et vous, Aïcha El Belloui? Mm-hmm. Native également de Casablanca. Exactement, très casablancaise, comme je dis toujours. C'est pareil, comme Zineb, oui. Assumer, dire « je suis casablancaise ». Je suis casablancaise, avec tout ce que ça comprend comme point positif, comme négatif, bien entendu. Alors, on va avoir tout de suite avec nous Richard Attias, bonjour, depuis New York. Bonjour. Comment allez-vous? Bonjour. Écoutez, merci de m'accueillir et permettez-moi tout d'abord de vous remercier. D'abord, de remercier 2M, de remercier Yamed Group, et puis de souhaiter une très très bonne santé à tous mes compatriotes dans ces moments un peu compliqués, ce qui rend d'autant plus votre exercice performant, et de souhaiter aussi un très prompt rétablissement à Sa Majesté Mohamed VI, que Dieu l'assiste. Donc merci de m'accueillir. Richard Attias, vous n'êtes pas casablancais, vous êtes natif de la ville de Fès, mais vous êtes tout de même très attaché à Casa. Oui, je suis attaché à Casa parce qu'il y a près d'un demi-siècle, quand mes parents partaient à Casablanca, j'avais l'impression, et que je restais à Fès, j'étais très frustré parce que j'avais l'impression qu'ils allaient à New York, si je fais un comparatif à aujourd'hui. Car Casablanca incarnait la modernité, elle incarnait tout ce que l'on pouvait trouver et qui n'était pas dans nos villes, entre guillemets, on va dire, de province. Et c'était effectivement un mythe. Ça l'était déjà à l'époque. Donc, modernité, mégalopole, c'était effectivement se projeter aussi, se rapprocher de la mer, et donc se rapprocher un peu plus du voyage, et se rapprocher un peu plus de la découverte. Oui, c'est incontestablement, ça incarnait une forme de rêve.
Également avec nous un architecte de renom, l'un des membres fondateurs de Casa Mémoire. Casa Mémoire qui se mobilise depuis très longtemps grâce à de nombreux bénévoles pour préserver notre patrimoine. C'est Rachid Andalousi. Bonjour. Bonjour. Si vous n'aviez, je vais vous poser une question très compliquée. Si vous n'aviez qu'un lieu, un seul, à toute personne qui ne serait jamais venue à Casablanca, ce serait lequel ? La place Mohamed V, sans hésitation. On va comprendre pourquoi tout à l'heure. Oui, parce qu'on va beaucoup en parler. Vous dire, mais tout à l'heure, je dirai pourquoi. Pourquoi la place Mohamed V ? Pourquoi la place Mohamed V ? C'est la naissance même de la modernité à Casablanca. Parce que la place Mohamed V n'est pas la porte par laquelle la modernité est rentrée au Maroc. La place Mohamed V a fabriqué, était un élément de fabrication essentiel pour la naissance justement de cette ville extraordinaire qui a marqué le XXe siècle. Et on va en parler de cette histoire. Également avec nous sur le plateau, lui aussi c'est un vrai passionné de Casablanca, c'est un bâtisseur qui lui fait appel aux plus grands architectes pour élaborer ses projets. C'est le fondateur et président exécutif du groupe Yamed Capital, Karim Bkali. Bonjour. Bonjour Fatia. Je vais vous demander un seul adjectif pour, qui vous viendrait à l'esprit pour qualifier Casablanca. Indomptable. Indomptable ? Pourquoi ? Ben, Casablanca est une ville assez insaisissable, que ce soit pour ceux qui habitent ou pour ceux qui la connaissent de loin, qui ont un lien affectif d'une manière ou d'une autre avec la ville. Également au duplex avec nous cette fois-ci depuis Paris. Il est architecte, professeur d'architecture à l'Université de New York, auteur de nombreux ouvrages, dont un qui est une référence absolue pour comprendre la ville blanche. Nous allons en parler tout à l'heure. C'est Jean-Louis Cohen. Bonjour. Merci d'être avec nous. Ah, on ne vous entend pas, petit problème de son. Est-ce que vous nous entendez bien ? Je vous entends très bien. Ah, voilà, ça y est, je vous entends. Bonjour. Bonjour à vous. Alors, Jean-Louis Cohen, vous vivez entre les États-Unis et la France, mais est-ce que vous diriez que vous êtes quand même Casablancais ? Écoutez, je crois que ce que j'ai fait pour Casablanca, aucun peu de ses fils ou de ses filles l'ont fait. Avec Monique Elab, qui elle est et Bédaoui, nous avons passé 10 ans à enquêter sur l'histoire de la ville, à identifier ses bâtiments, à identifier ses bâtisseurs, ses urbanistes, ses paysagistes. Et nous avons publié en 1998 un livre que beaucoup considèrent, je le dis sans vanité, comme la Bible de l'histoire et du patrimoine de Casablanca. Et ce livre a joué un rôle déterminant dans la connaissance, mais aussi dans l'action, puisque c'est dans la fabrication de ce livre, dans l'enquête conduisant à ce livre, sur la base de la révolte de beaucoup de Casablancais devant les destructions d'immeubles, qu'est né par exemple Casa Mémoire. Et le mot que vous venez de dire, la Bible, Mohamed Atanji m'a confié qu'effectivement pour lui, incontestablement, votre livre est la Bible sur Casa. Vous confirmez ? C'est bien oui, ce que vous m'avez dit. Salut Jean-Louis. Bien sûr, c'est un des actuellement c'est un des principaux matériaux pour la connaissance de Casablanca. De Casablanca. On va en parler de votre ouvrage. Alors d'autres invités, non des moindres, seront avec nous en duplex dans quelques instants. La ministre du Tourisme, Nadia Fetsah Alaoui. Depuis Washington, nous aurons l'un des plus grands noms du tourisme mondial. C'est le président du groupe Hilton, Chris Nassetta. Nous aurons aussi depuis Paris le grand architecte, mais je crois qu'il est déjà avec nous en duplex, le grand architecte Jean-Philippe Nuel. Est-ce qu'il est encore avec... Pas encore. On l'aura tout à l'heure. C'est. Vous êtes là ? Jean-Philippe Nuel ? Oui, je t'entends. Ah, je ne vous vois pas, mais je vous entends. Jean-Philippe Nuel, je vais vous demander un petit peu la même chose. Je sais que vous connaissez très bien Casablanca. Si vous aviez un mot, un adjectif pour qualifier Casablanca, vous diriez quoi ? C'est quoi votre Casa ? Moi, je dirais que c'est envoûtant. C'est une ville envoûtante. Moi, j'ai des liens un peu particuliers aussi avec le Maroc parce que j'ai une formation d'architecte et j'ai choisi en tant qu'architecte parisien de faire mon diplôme sur un sujet à Fès. Donc, j'ai eu une ouverture un peu loin de Casablanca, mais quand même sur la culture marocaine, sur l'architecture traditionnelle. Et du coup, je retrouve quand même cet élément à Casablanca, mais je trouve aussi une porte ouverte avec cette magie sur l'océan. Et je trouve que, justement, cette proximité de la mer donne une atmosphère tout à fait unique et envoûtante à cette ville.
Je retiendrai le mot envoûtante. Également dans un instant avec nous, Bernard Muselet, c'est le président du directoire du Crédit du Maroc. Joachim Schleffer, le président Moyen-Orient-Afrique-Turquie de Hilton. Alors, que vous soyez en plateau ou en duplex, vous n'hésitez pas. Vous pouvez bien évidemment interagir quand vous le souhaitez. Alors, pour comprendre Casablanca, il faut connaître son histoire, bien évidemment. Et pour débuter cette émission, la question la plus importante pour nous tous, c'est de savoir quel est notre patrimoine et comment le préserver. C'est le combat qui est mené par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, et celle qui aujourd'hui est à la tête de cette grande institution, connaît très bien le Maroc, connaît très bien Casablanca, puisqu'elle y a passé une partie de son enfance, c'est Audrey Azoulay. Voici le message qu'elle nous a adressé. Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour participer à cet échange consacré à Casablanca. C'est un grand plaisir pour moi qui y ai passé une partie de mon enfance pour y retrouver mes grands-parents, tout près du marché central. Je suis heureuse aussi de partager ce moment parce que c'est le message de l'UNESCO, l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la culture, les sciences, que de préserver le patrimoine culturel, de le faire comprendre, de le faire connaître, de préserver la mémoire de lieux qui nous disent notre histoire singulière et ce qui nous relie. Alors Casablanca, bien sûr, a une dimension indéniablement mythique. Elle le doit, je crois, à sa capacité unique à resserrer le monde, à proposer une urbanité moderne, ouverte, ouverte sur la mer, à partir de fragments de ville et d'architecture venus d'ailleurs. C'est une ville qui a été dessinée, pensée dans un urbanisme moderne, qui en a fait, au début du XXe siècle, un laboratoire d'exception, avec toutes les sources qui ont été mobilisées pour cet art de bâtir, de l'art déco à l'hispano-mauresque, en passant par le néoclassique, et avec bien sûr l'apport unique des grands Mahalem, qui ont nourri de leur art les œuvres d'architecture moderne. Et les urbanistes n'ont cessé d'expérimenter des manières différentes de fabriquer la ville. Alors Casablanca, c'est la ville de tous les superlatifs, ville ouverte sur la mer, qui a connu en son temps la plus grande jetée du monde, la plus grande piscine du monde, puis le plus grand minaret. Mais elle a aussi malheureusement, au gré de son développement, vu détruire de trop nombreux joyaux architecturaux. De toutes ces expérimentations qui ont façonné la ville, il est resté un patrimoine unique, une école à ciel ouvert pour le regard, et je me réjouis que cette émission y soit consacrée. Il y a aussi, je crois, une certaine idée de la liberté dans l'effervescence d'aujourd'hui, nourrie de la multiplicité de ses regards et de ses approches. Casa, cette ville si énergique, tournée vers l'avenir, industrieuse, a aussi tout intérêt à protéger son patrimoine, car il est aussi, en particulier dans sa dimension immatérielle, dont le Maroc est si riche, une ressource formidable pour la modernité, pour la créativité. Parce que cette architecture, elle nous raconte à tous l'histoire, toute l'histoire, ses parts d'ombre, ses fulgurances plus lumineuses, une histoire unique, et c'est un ressort pour se projeter dans l'avenir. Alors mieux préserver, faire connaître ce patrimoine architectural et culturel, bâtir une mémoire collective, refuser de construire sur le vide ou sur l'amnésie, s'inscrire dans le temps long, c'est un atout exceptionnel, je crois, pour le Maroc d'aujourd'hui et de demain. C'est pourquoi il faut travailler cette mémoire collective, l'irriguer par les travaux des sciences sociales, la valoriser grâce à l'engagement de tous les fervents amoureux de cette ville que je salue, la faire connaître à travers des programmes comme celui-ci. C'est pourquoi il faut aussi l'enseigner à l'école et intégrer dans toutes les stratégies de développement urbain cette dimension unique, cette dimension culturelle dans toute sa variété. Partout dans le monde, l'urbanisation est devenue un phénomène majeur mondial. L'ONU estime ainsi que plus des deux tiers de l'humanité vivront en ville d'ici 2050. Et c'est un défi pour la préservation du patrimoine culturel en ville. C'est pour cela que nous recommandons à l'UNESCO une approche très intégrée de la gestion des paysages urbains historiques, en reprenant les objectifs de conservation du patrimoine urbain, dans ses éléments matériels mais aussi immatériels, de façon intégrée avec ceux du développement socio-économique. Et c'est pour cela que l'UNESCO et la ville de Casablanca collaborent depuis de nombreuses années pour valoriser ces diversités culturelles, ce patrimoine exceptionnel qui font la singularité de cette cité. Alors je crois que ce débat, cette émission, c'est une excellente occasion d'évoquer tous ces défis
et aussi d'évoquer toutes ces opportunités. Et il m'a permis, à titre plus personnel, de vous dire aussi l'attachement pour cette ville, pour ce pays qui m'est cher et que je voulais partager avec vous. Je vous remercie. Un grand merci à la directrice générale de l'UNESCO, un très beau message, un magnifique témoignage qui rend hommage en fait à tous ceux qui travaillent pour préserver justement le patrimoine de Casablanca. Nous n'aurons pas le temps, bien évidemment, de refaire toute l'histoire de Casa, mais Jean-Louis Cohen, c'est important de revenir à la naissance en fait de cette métropole, de revenir, et je crois que tout est parti de l'ancienne Médina. Jean-Louis Cohen, vous êtes avec nous ? Je suis avec vous et en fait tout est parti il y a très longtemps puisque sur l'emplacement de Casablanca se trouvait une ville des Berbères et Latins qui était déjà ouverte sur le monde, qui était déjà une ville-port, qui a été détruite par un tremblement de terre à la fin du XVe siècle et qui a été restaurée par Mohamed Ben Abdallah au XVIIIe siècle. Et c'est de là que date l'enceinte fortifiée de Casablanca, la Scala, que tous les Bédaouis connaissent bien. C'est de là que datent certains des premiers édifices. Et cette ville était une petite, relativement petite ville côtière en 1907, lorsque les Français débarquèrent, mais déjà une ville très cosmopolite qui rassemblait des Marocains musulmans, des Marocains juifs, beaucoup d'Européens, dans un paysage urbain qui ressemblait beaucoup à celui des villes côtières de l'Andalousie. Donc, si vous voulez, Casablanca a une très longue histoire, mais on peut dire qu'elle est née une deuxième fois, évidemment, avec l'arrivée du monde moderne entre 1907 et 1914, qui a fait d'elle une ville très, très connue à l'époque, très célèbre, vantée par les journalistes, filmée par les premiers opérateurs des Frères Lumière. Et c'est ce qui a conduit le monde à s'y intéresser et à y débarquer. Mohamed Tanji, par rapport à ce que vient de dire Jean-Louis Cohen, elle ressemblait à quoi vraiment la Médina ? Elle avait une superficie importante. Combien d'habitants il y avait ? Alors, au niveau de la superficie, elle fait à peu près 40 hectares. Je parle de la Médina intramuros parce que tout autour de la Médina, bien sûr, il y avait une population, ces tribus qui vivaient autour, les Oulad Mas'oud, les Oulad Haddou, les Héraouyin et tout. Et c'est ça qui fait la vraie population d'origine de Casablanca. Au niveau de... je suis désolé de... Non, je disais, et la population est... Alors la population... On l'estimait à combien? Oui. Parce que quand on voit le Casablanca, c'est important de revenir... Alors la population, on retient un chiffre qui a été écrit par Weisberger et qui annonçait 20 000 habitants d'ancien Médina, dont 5 000 israélites, 15 000 musulmans et 500 étrangers. Mais moi, je prends un peu mes précautions sur ces chiffres parce que... Ça nous donne une idée déjà, ça nous donne une idée. Parce que le premier sondage réel sur la ville de Casablanca ne s'est passé, il faut vraiment le dire, jusqu'en 21. Il y a eu un sondage auparavant en 1913, mais il était fait au sein... Des résidents étrangers parce qu'ils ont fait la collecte chez tous les consulats présents dans la ville de Casablanca. Rachid Andalousi, on a parlé de l'ancienne Médina avec Jean-Louis Cohen, mais moi j'ai beaucoup entendu en fait parler aussi d'un point névralgique à l'époque, c'est le port. Tout à fait. Le port a été l'essor qui a poussé justement le développement de la ville sur le plan économique et il faudrait savoir que Casablanca est une des rares villes au monde à être dotée de ce qu'on appelle une stratégie de développement, ce qu'on appellerait aujourd'hui peut-être la politique de la ville. Comment est née cette ville? Donc le point le plus important, le plus solide, qui a donné naissance à cette vie, à cette nouvelle ville, à cette renaissance de Casablanca, c'est le port de Casablanca. Non seulement, mais il faudrait savoir que le Maroc vivait à l'intérieur des terres, entre Fès, Marrakech, Oualidi, etc. Et un acte de politique important, territorial, a fait que le Maroc s'est ouvert sur l'océan Atlantique entre la capitale Rabat et la capitale économique administrative Rabat et la capitale économique Casablanca à travers ce port qui a ouvert le Maroc sur l'international. Alors elle sera imaginée comme une ville moderne sous le protectorat français avec le général Lyoté et un certain Henri Prost. Henri Prost aura marqué... Alors, voyez l'image, ce fameux plan, j'aimerais bien que vous nous en parliez. Alors, justement, le plan part à partir d'un noyau
urbain important, l'ancienne médina de Casablanca, la tache, on la va appeler ainsi, blanche, avec le port qui vient s'arrimer à la Scala et à, justement à ce qui était le paradigme au départ même, parce qu'il y avait deux darses naturelles, des ports naturels qui existaient à Casablanca, et justement ils sont venus se plaquer là-dessus pour pouvoir faire le port de Casablanca avec cette grande jetée et du port, une construction d'une première radiale qui partait vers, disons, de Bab el Kbir vers la Chaouia, et puis après une autre radiale, et une des premières, c'est le boulevard d'Anfoy aujourd'hui, de Bab Marrakech, et un couronnement tout autour de l'ancienne Médina qui était le premier peut-être contournement, et puis après, on a un deuxième contournement qui va de la mer à la mer, c'est le boulevard Zertouni et qui continue par le boulevard de la Résistance, Al-Muqawama, et qui donne un schéma nouveau d'urbanisme radioconcentrique. Là, on va parler d'un schéma semi-radioconcentrique parce que la ville continue dans la mer, et ainsi de suite, il y a eu d'autres couronnements à travers des grands boulevards, et toute rencontre entre ce qui est traversant et radial créait un événement urbain, un foyer urbain important matérialisé dans ce schéma par ces points blancs partout dans la ville. Donc c'est une ville polyconcentrique, polydivergente au niveau de ses activités, et très ouverte sur la mer, et très ouverte sur ce qui allait faire de Casablanca ce qu'elle est aujourd'hui, et du port avec le 4e Zouave, où aujourd'hui Han Saleh, on arrivait sur la place Mohamed V, la première urbanisation qui continue justement dans l'histoire de la stratégie de développement de la ville. Attendez, n'allez pas trop vite, parce qu'il s'est passé beaucoup de choses à cette époque. Au début du siècle, Jean-Louis Cohen, est-ce qu'il est vrai, les investisseurs venaient du monde entier, et il paraît même que les terrains se vendaient plusieurs fois par jour. Est-ce qu'on peut dire que Casablanca, c'était un peu l'Eldorado ? Écoutez, l'image que l'on donnait à l'époque de Casablanca comme celle d'une sorte de Far West est assez exacte quand on retrouve les statistiques sur le port des armes, par exemple, sur la quantité des bistrots dans les premiers quartiers de la ville nouvelle. Ce qui se passe très tôt dans cette ville, les Français mettent en place un cadastre assez rigoureux et très avancé pour l'époque. Et donc, tout d'un coup, la propriété foncière commence à se restructurer. Les grandes familles musulmanes, d'une part, les juifs qui, avant le protectorat, ne pouvaient pas prendre possession des terres qu'ils avaient reçues en gage en prêtant de l'argent aux grandes familles marocaines, deviennent très présents dans la ville, dans le même temps qu'arrivent les sociétés foncières européennes. Et donc, si vous voulez, vous avez un très grand nombre d'acteurs qui se disputent pour ces terrains dans l'atmosphère de la mise au point du plan Prost, qui fait que des terrains bordés par une voie nouvelle, tout d'un coup, prennent une valeur phénoménale. Donc c'est une création urbaine qui a une dimension épique exceptionnelle, mais dans laquelle la spéculation immobilière est très étroitement maîtrisée, contrôlée et, je dirais, assujettie au dessin de Lyautey et de Prost. L'architecte et le résident général, qui sont tous les deux lorrains, travaillent en très bonne entente, et c'est ce qui fait que le réseau des voies de Casablanca, le réseau des boulevards, par exemple, arrive encore à encaisser, pour une large partie, ça ne s'arrange pas, la circulation de la ville du XXIe siècle. Elle a été pensée dans un dessin de très grande ampleur, mais avec une prise en compte réaliste des intérêts immobiliers et fonciers. Rachid Andalousi, c'est à cette époque que de grands architectes vont arriver à Casablanca. Casablanca, à cette époque, on qualifiait de laboratoire architectural. Ils venaient d'où ? Qui les a fait venir ? Le général Lyautey ? C'est du fait justement de l'action de Lyautey, de Prost, de Nicolas Forestier, paysagiste aussi, et favorisé justement par un terrain vierge, une possibilité, des opportunités qui s'offraient, mais aussi avec un plan d'urbanisme, un règlement d'urbanisme très important qui donnait une certaine liberté. Mais il faudrait savoir que c'était le début aussi de grands mouvements. On allait rentrer dans le mouvement moderne, dans l'art déco, etc.
Et justement, ces architectes sont venus pour pouvoir expérimenter, pour pouvoir faire des choses à Casablanca. Et la Première Guerre mondiale était pour beaucoup, parce que ça a permis à des architectes de venir exercer leur métier, alors qu'ailleurs, c'était un peu plus difficile. On va y revenir sur ce volet, parce qu'il est important. Restez avec nous, parce que dans quelques instants, nous allons parler de culture, des artistes casablancains qui font rayonner la ville à l'international. Nous vous parlerons aussi d'un lieu mythique, les arènes. Mais avant, quel est le regard des médias étrangers sur Casablanca? Nous savons que les médias contribuent à fabriquer les mythes. Alors si Casablanca a réussi à se faire connaître, c'est grâce à un film que l'on connaît tous, Casablanca, avec Ingrid Bergman et Humphrey Bogart. Et même si le film n'a pas été tourné ici, en réalité, c'était plutôt dans les studios, le nom de Casablanca a résonné aux quatre coins du monde. D'ailleurs, aujourd'hui encore, il y a de nombreux touristes qui viennent et qui cherchent le lieu de tournage ou essayent de retrouver des choses de l'époque. Un très grand média américain, le New York Times, dans sa série 36 heures A, a fait un numéro sur Casablanca, une escale à Casablanca. Je vous propose tout de suite de regarder quelques extraits. La fameuse affiche du film. Darbida est le cœur du Maghreb. We have probably 200 days of sun. There's a spirit here that pushes you forward. Makes you feel you can do anything. New York, Amsterdam, Beyrouth, tout ça, ce sont des villes très spéciales, qui ont un cachet à l'espion, quoi. Nous sommes sur la place pratiquement les premiers de restaurants en ville, de cuisine marocaine. Le restaurant a ouvert ses portes la fin des années 50, en 58. Nous avons pris la base de la gastronomie marocaine, c'est-à-dire les pastillas, chose qui est spéciale au Maroc, le couscous et les tagines. Les clients qui viennent ici viennent pour manger bien sûr, mais aussi parce que le restaurant a une longue histoire et l'ambiance ici est chaleureuse. Les gens qui viennent sont très contents, ils promettent de revenir. Habous, هي واحد مدينة فاس في الدار البيضاء. بنوها الفرنسويين باش ينقلوا الناس من فاس يجيوا للدار البيضاء. انا في الحبوس عندي 77 عام. هالدار الحبوس هو الأصالة هو الأصل ديال المغاربة لباسهم ماكلتهم فكرهم دينهم كله موجود في الحبوس إلا بغيتي تعصر المغرب كامل موجود في الحبوس اش كتشخص لنا الرسالة اللي بغى يعطيها بغات تعطيها الأمة المغربية والشعب المغربي للعالم بأن أي واحد يقدر يجي لهذا المسجد هذا هو أكبر مسجد في القارة الإفريقية وثالث أكبر واحد في العالم. We are in the house of my father who died in 2001. He wanted to share all his passion for art. These big collections of orientalist posters from the Maghreb region and the Arab world. La collection, en fait, elle va de 1869 jusqu'aux années 60. Donc on est vraiment sur 100 ans de création dans la fiche publicitaire. You can come as a stranger, but you go out with many friends. Why should people come? I don't know. But they come. Le tourisme, c'est un volet important, c'est ce qui fait vivre la ville. Dans un instant, on va retrouver la ministre du tourisme, Nadia Fetsah Halaoui. Bonjour Madame la ministre, alors elle est en duplex avec nous. Et c'est à vous que je vais poser cette première question. Peut-on faire du tourisme, du pain de notre patrimoine, une expérience touristique? Bonjour, je voulais vous remercier d'abord de m'inviter dans cette belle initiative sur le Metropolitan Casablanca. La bonne nouvelle, c'est que cette grande ville qu'on chérit tous, Casablanca, est déjà la troisième destination touristique de notre pays. Elle a commencé avec son énergie, sa vivacité, ses contrastes, à consolider déjà son potentiel touristique avec son patrimoine, ses infrastructures, son ouverture sur la mer, son
sa grande mosquée, sa place Mohammed V, ses Habous. Donc, l'expérience touristique de Casablanca est une réalité. Ce qu'il compte aujourd'hui, c'est de continuer à promouvoir ce patrimoine culturel, de le mettre en valeur et d'essayer de capturer en fait tout ce patrimoine, tout l'état d'esprit de Casablanca pour pousser un peu plus loin ce potentiel touristique que constitue la ville de Casablanca et la région de Casablanca. Madame la ministre, le tourisme urbain a de plus en plus le vent en poupe. Les escapades, les city breaks, comme on les appelle, pour Paris, Londres, New York, fonctionnent. Pourquoi pas pour Casablanca ? Cela pourrait attirer un nouveau tourisme. Effectivement, Casablanca est la destination du city break par excellence. Cette forme de tourisme est déjà une réalité. D'abord à travers le tourisme des affaires, en étant la capitale économique avec une belle infrastructure hôtelière. On parle déjà de plus de 130 établissements classés à Casablanca. Nous avons déjà un développement du tourisme d'affaires. L'idée, c'est que ces touristes qui viennent pour les affaires restent un jour ou deux de plus pour déambuler dans la ville de Casablanca et découvrir tous les secrets que recèle cette ville avec une histoire récente, vivante, beaucoup de créations. Et peut-être qu'ils reviennent, pour ceux qui ne peuvent pas rester, revenir en fait, redécouvrir la ville de Casablanca. Donc en fait, l'infrastructure existe, le contenu culturel est exceptionnel, il est en création permanente. Il faut aussi donc que les départements ministériaux, avec les partenaires publics, les opérateurs, marquent un peu plus cette vocation de city break de la ville de Casablanca. Comment on peut aller encore plus loin ? Pourquoi ne pas avoir, en fait, des offices du tourisme dans nos villes pour informer, séduire et accompagner les voyageurs ? Ce qui est certain et ce que à juste titre vous rappelez, c'est qu'on a besoin d'informer davantage, d'éclairer davantage et de mettre en valeur l'offre culturelle et touristique de la ville. Donc, l'Office du tourisme pourrait être une solution parmi d'autres, puisqu'il y a d'autres infrastructures, il y a d'autres opérateurs. Les CRT sont déjà là et ont un rôle fondamental à faire. Ce qui est certain, c'est qu'il faut consolider en fait ce qui existe déjà en termes, on va dire, d'organismes publics et privés, et que ce que nous faisons ensemble n'est certainement pas suffisant parce que ce patrimoine, cette énergie de la ville, comme je disais, a besoin d'être capturée et d'être marketée pour tous les touristes qui auraient très envie de venir et de revenir découvrir la ville de Casablanca. Alors aujourd'hui, de plus en plus de groupes et de chaînes hôtelières misent sur le patrimoine pour attirer les touristes. Après, nous allons avoir après Paris, je voulais dire, après Jean-Louis Cohen, en duplex avec nous, Jean-Philippe Nuel. Bonjour. Bonjour. Je bascule un petit peu mon programme parce que je sais que vous avez un train à prendre et qu'on est ravis de vous avoir avec nous, mais je vous ai fait une promesse. Vous êtes une signature internationale en matière de design d'hôtel. On vous doit la célèbre piscine Molitor transformée en hôtel à Paris, également le grand hôtel Dieu de Lyon pour lequel vous avez reçu un prix prestigieux en France, mais également aux États-Unis. Et ce sont que des lieux chargé d'histoire. Alors pour vous, Jean-Philippe Nuel, c'est quoi réellement la fonction d'un hôtel d'aujourd'hui, inscrit dans son temps ? Est-ce que c'est le même qu'avant ? Bah justement, si on parle de patrimoine, si on parle d'histoire, l'hôtel ne doit pas être réduit à un simple lieu qui accueille des visiteurs. En fait, l'hôtel d'aujourd'hui, c'est justement une porte ouverte, c'est un lieu social, c'est une porte ouverte sur l'histoire d'une ville, sur la petite histoire, la grande histoire, et ça doit être porteur de l'âme d'un emplacement, qu'on parle d'un quartier, qu'on parle d'une ville et qu'on parle d'un pays. C'est comme ça que l'hôtel d'aujourd'hui se conçoit. Et donc, dans ce cadre, qu'on parle d'un bâtiment ancien, mais même d'un bâtiment moderne, l'hôtel devient une opportunité de découvrir, de s'ancrer vraiment dans une culture, et c'est comme ça que moi j'aime travailler et que bien sûr, quand on intervient sur des lieux très prestigieux, le Grand Hôtel Dieu de Lyon, c'est un bâtiment de soufflot du 18e qui est unique au monde. Mais
En fait, peu importe, c'est une véritable expérience pour les visiteurs. Et puis, c'est aussi une histoire qu'on doit réécrire avec les habitants de la cité. Parce que ce qu'on s'aperçoit, c'est qu'ils sont très attachés à ce patrimoine. Ils ne veulent pas en être privés. Et donc, ces nouveaux hôtels s'écrivent aussi avec, finalement, les habitants de la cité et pas seulement avec des visiteurs venus de l'extérieur. Est-ce que, comment fait-on, Jean-Philippe Nuel, pour transformer un lieu historique en un hôtel moderne, mais sans renier son histoire en même temps? Oui, c'est vrai que c'est peut-être là tout l'enjeu. D'abord, il y a un travail sur le patrimoine. Donc, il y a une analyse patrimoniale qui doit se faire avec des spécialistes, avec des confrères architectes qui sont spécialisés dans le patrimoine. Et moi, j'aime concevoir ces hôtels avec le respect du patrimoine, mais en assumant pleinement la nouvelle fonction du lieu. J'ai travaillé un moment sur une prison à Avignon qui devait se transformer en hôtel. Bon, bien sûr, il était hors de question qu'elle soit encore quelque part une prison. C'était autre chose. Par contre, la dimension urbanistique, la dimension architecturale, la dimension sociale du bâtiment dans la ville, c'est ces éléments-là qu'il faut arriver à faire perdurer dans le nouveau projet. Donc, c'est pour ça que ce ne sont pas forcément des projets qui sont figés. En fait, moi, j'aime bien voir ces bâtiments-là en gardant nos racines, en gardant les racines de la cité, mais en même temps en les projetant vers leurs nouvelles fonctions et en même temps vers l'avenir. Merci beaucoup, Jean-Philippe Nuel, d'avoir été avec nous. Bon voyage et à très bientôt, Inch'Allah. Merci. Merci beaucoup à tous. Merci. Richard Attias, on va prendre la direction de New York maintenant. Richard Attias, vous avez été avec nous ? Richard Attias, est-ce que vous êtes avec nous? Ah, le voilà. Richard Attias, vous êtes un grand spécialiste de la communication d'influence, et vous dites, et c'est important pour le tourisme, vous dites que les villes, non seulement ont la capacité et doivent devenir des marques pour attirer les touristes, mais du coup également les investisseurs. Oui, tout à fait. Alors, si vous me permettez, j'aimerais amener un peu de contradiction à tout ce qui vient de se dire depuis 45 minutes où j'ai écouté avec beaucoup d'attention les différents intervenants qui ont encensé Casablanca, qui ont rappelé l'histoire de Casablanca, qui ont rappelé combien cette ville a une énergie formidable. Pour autant, elle a un énorme déficit de marque. Il faut aussi qu'on regarde les choses en face. Elle a un déficit de marque parce que même si elle est, comme dit Madame la ministre du Tourisme, la troisième destination touristique, ce n'est pas le sentiment, en tout cas, et la perception que l'on en a de l'extérieur. Et il est très important de regarder les perceptions, car c'est ce qui fait une marque. J'ai le sentiment que les personnes qui viennent faire précisément ce tourisme d'affaires à Casablanca n'ont qu'une hâte, pardon de le dire, en tout cas c'est ce que j'entends, c'est que dès qu'ils ont fini leur business, ils vont à Marrakech, où ils vont à Rabat, où ils vont à Fès, ils vont dans les villes impériales. Et donc je crois qu'à un moment donné, il faut, j'imagine que votre émission va en parler, qu'est-ce qu'il faut faire, vous l'avez dit en introduction, pour redonner ces lettres de noblesse à Casablanca, cette ville que nous aimons tous, et qui a toute la légitimité pour l'être l'une des grandes villes africaines qui peut attirer. Et à l'international, effectivement c'est un terrain de jeu que je pratique régulièrement, les Américains, les Anglais, les Sud-Américains, les Asiatiques, les personnes qui viennent du Golfe, ne s'arrêtent à Casablanca que pour aller à l'aéroport. Il faut le reconnaître. Et donc, qu'est-ce qu'il faut? Moi, je suis surpris qu'il n'y ait pas encore à aujourd'hui, et je suis certain que c'est dans les cartons, mais il faudrait le faire vite parce que le potentiel est là et parce que je suis un optimiste qui pense qu'après cet terrible épisode du Covid-19, beaucoup de choses vont changer et on va avoir envie de se retrouver physiquement. Il faut qu'il y ait à Casablanca un centre de conférence international. Je ne comprends pas que depuis 1994, il y a un palais des congrès à Marrakech et qu'il n'y en ait toujours pas un à Casablanca qui mérite d'avoir son centre de conférence international. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas à Casablanca beaucoup plus d'hôtels 5 étoiles et 4 étoiles au niveau de ceux de Marrakech. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore à Casablanca un grand musée international. Je ne comprends pas qu'il n'y ait pas encore à Casablanca
de grands festivals, à l'image de ma voisine à Rabat, à l'image de ceux sur le rire ou sur les festivals traditionnels de Marrakech ou les musiques sacrées de Fès. Et donc, j'ai l'impression, ça me donne une nostalgie sur la marque Casablanca, et c'est ça que j'aimerais que l'on évoque avec vos invités, parce que effectivement, cette marque existe, elle est mythique, mais aujourd'hui, elle n'a pas malheureusement tous les atouts qu'elle mériterait d'avoir. Et comme nous aimons Casablanca, je vais paraphraser une publicité que quelqu'un connaît, c'est que c'est parce qu'on l'aime bien. Et c'est parce qu'on l'aime bien qu'on a envie qu'elle en ait beaucoup plus. Le potentiel est là, et je pense qu'il faut effectivement consolider un certain nombre de paramètres pour, comme vous l'avez dit une fois encore, pardon de le répéter, non seulement lui redonner ses lettres de noblesse, mais faire passer de la nostalgie au rêve et effectivement lui permettre de retrouver toute l'énergie qu'elle mérite. Parce que Casablanca peut s'inscrire dans une ligne de villes de marque. On va oublier les villes internationales comme New York, Dubaï ou Paris. Mais en Afrique, il y a une ligne qui se dessine et qui est Casablanca, Dakar, et Durban ou Cape Town en Afrique du Sud. Il faut que Casablanca retrouve le potentiel de ces villes. Kalim Bakhali, je rappelle que vous êtes le président exécutif de Yamed Capital. Vous aimeriez réagir à ce que vient de dire Richard Attias? Oui, effectivement. Casablanca, comme l'a dit Jean-Philippe Nuel tout à l'heure, est une ville envoûtante. Et c'est une ville étrange parce que d'un côté, elle a une très forte résonance à l'international. Je pense que là, on le reconnaît tous. Mais d'un autre côté, on a l'impression que c'est une destination qui paraît être indigne de l'attention des touristes quelque part, qui la considère, comme l'a dit très justement M. Richard Attias, plus comme une étape que comme une destination. Et d'ailleurs, pour illustrer ce qui vient d'être dit, ma petite expérience à Casablanca depuis que je me suis réinstallé il y a quelques années, c'est que quand les visiteurs internationaux se rendent au Maroc pour travailler, que ce soit nos partenaires de façon générale, quand on a rendez-vous à Casablanca, ils viennent seuls. Et comme a dit M. Attias, ils n'attendent qu'une chose, c'est de repartir. Et quand on a une réunion à Marrakech, par contre, là, ils viennent avec femmes et enfants. Et ils n'ont aucun problème à rester pour le vendredi et le week-end. Donc du coup, comme personnellement, j'ai toujours été un peu gêné par cette perception injuste de la ville de Casablanca, j'ai fini par développer un circuit touristique propre à ces visiteurs, avec l'espoir de leur faire changer d'avis sur la ville de Casablanca. Et ce qui est intéressant, c'est que ça marche parce que, à l'issue de ce mini-circuit que j'organise, ben ils sont tous très étonnés de ce qu'ils voient à Casa et ils ont envie de revenir et en général, ils reviennent en étant accompagnés. Donc du coup, je suis vraiment content qu'on fasse ensemble cette émission parce que peut-être que la prochaine fois, ben il me suffira de leur envoyer l'émission en replay avant leur passage par ici, ce qui m'évitera d'avoir à faire le guide pendant leur visite. Plus sérieusement, je pense que Casablanca a clairement un problème d'image parce que malheureusement, dans l'imaginaire des gens, on ne voit pas Casablanca à travers ses plus beaux repères. Or, elle ne manque pas de repères, cette ville. Et donc, effectivement, aussi, les grandes métropoles que nous avons citées depuis tout à l'heure, ce qu'elles ont en commun, c'est qu'elles ont compris très tôt l'importance de capitaliser sur le capital de leur marque et qu'elles en ont fait un levier d'attractivité très important pour drainer des investisseurs, des touristes étrangers. Et à titre d'exemple, j'ai lu... il y a 3 ou 4 jours, le décès du créateur du logo I Love New York. Ouais. Et en lisant, je me suis rappelé que le logo avait été créé en 1977, c'est-à-dire il y a plus de 40 ans. Et même un peu avant, puisque ce célèbre graphiste américain, en fait, dès la fin des années 60, c'était cette fameuse affiche de John Lennon avec une perruque très colorée, un peu pop art, qui était déjà la signature de New York et viendra ensuite, vous avez raison, à la fin des années 70, ce fameux petit cœur rouge. Voilà, donc c'est un bel exemple, mais il n'y a pas qu'à New York, il y a aussi, je pense qu'on connaît tous peut-être I Amsterdam, Only Lyon, B Brussels, Visit London, la ville de Paris, etc. Et toutes ces villes, eh ben, elles ont capitalisé très fort sur leur marque. Alors, juste, excusez-moi, dernier mot, je pense qu'il y a un sujet de marque, mais... il n'y a pas que ça. Ce n'est pas un sujet de marketing. Casablanca, comme ça a été souligné il y a quelques minutes, souffre de maux sérieux et de déficits indéniables. Et il faut que Casablanca, aujourd'hui, puisse regarder en face ces déficits. Et c'est important d'agir vite pour
réanimer un peu l'âme spirituelle de Casablanca, réhabiliter son centre-ville. Et de façon générale, on doit travailler tous ensemble un peu pour reconstituer un écosystème qui est créateur de fierté et d'emploi dans cette ville. Monsieur Bakouri, vous avez été un petit peu interpellé là par Richard Attias et même par Karim Bkhali. Pas de grand centre de conférence internationale, c'est vrai que ça n'attire pas que les hommes d'affaires et autres, mais ça fait partie du tourisme. Pas de grand musée à Casablanca, pas non plus de grand festival. Il y a énormément de festivals, énormément de rendez-vous culturels, mais pas un festival, en fait, avec la signature Casablanca. Mais je crois que sur un palais des congrès, pour accueillir des conférences internationales, il y a déjà quelque chose un petit peu en route. Alors, j'ai l'habitude d'être interpellé, mais j'ai aussi l'habitude de m'interpeller moi-même. Et sur une question comme celle-là du Palais des Congrès, j'ai forcément fait le même constat. Mais comme je suis dans une position de responsabilité, il ne suffit pas de faire le constat. Et là-dessus, nous avons pris l'initiative de mener ce sujet pour en faire une réalité et le plus tôt possible. Dans mon esprit, une ville comme Casablanca, qui, je le rappelle, est la capitale économique d'une grande région, mais évidemment la capitale économique du pays. Elle fait près de 4 millions d'habitants aujourd'hui. Elle ne peut pas avoir une ambition légitime en termes sur le plan touristique ou même de manière générale sur le plan économique sans l'absence de certaines infrastructures, au premier rang desquelles le Palais des Congrès. Donc le sujet est pris au sérieux très concrètement. Il y a des études en cours déjà. Et je n'exclus pas des annonces proches pour indiquer pas seulement l'intention, mais indiquer le lieu. Il y a des lieux pressentis, mais il y en a un qui émerge. Donc vous travaillez déjà dessus ? Oui, absolument. C'est un projet qui verra le jour. Absolument. Et pour permettre aux acteurs de la ville, qu'il s'agisse d'ailleurs des acteurs institutionnels ou des acteurs économiques, de capitaliser sur une telle infrastructure pour que l'ambition de Casablanca soit encore plus élevé que ce dont nous sommes en train de parler, parce que dans mon esprit, ce qui fait la force de Casablanca et de notre pays de manière générale, c'est ses potentialités qui sont encore extrêmement élevées. Il faut maintenant que nous arrivions à travailler avec une intelligence collective pour développer ces potentialités. Et c'est la manière dont la région est en train de fonctionner aujourd'hui, parce que si on voulait regarder chacun ce qu'il peut faire, pas grand-chose individuellement. Mais ce que nous pouvons faire collectivement, ensemble, on peut faire énormément de choses. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais rappeler comment nous voyons Casablanca, parce qu'il y a des plans de développement qui, bien aujourd'hui, sûr, portent l'activité de chacun. Casablanca est un cœur entouré de deux duopoles ou bipoles, Ben Sliman Mohammadia, Mdiouna Nouassar, Barshid Stat et Jdida Sidi Bnour, avec un cœur qui doit continuer de battre et de battre fortement. Mais pour ça, il faut qu'il se nourrisse de ce qu'il y a autour de lui, mais aussi que ce qu'il y a autour de lui se nourrisse de ce qui caractérise ce cœur. Et pour ça, il y a un déploiement, et c'est parfaitement en ligne avec ce qui a été dit, ce qui a été rappelé, cet héritage, ces forces, permettre à Casablanca de négocier son virage vers une ville toujours ouverte, toujours multiculturelle, orientée plus vers les services, sur les services financiers, elle a pris une direction clairement affichée. Je fais allusion à Casa Finance City qui est déjà aujourd'hui, avant même d'arriver à la maturité, la première place financière du continent. Je voudrais dire que sur le plan culturel, le patrimoine est une composante majeure. Il y a déjà eu un recensement de ce qui existe. Il faut aller plus loin pour, là aussi, mobiliser des acteurs institutionnels, des investisseurs. Et sur le festival, je dirais, la porte est ouverte. Tous les festivals, de ce que je sais, qui ont réussi, sont aussi portés par des, entre guillemets, entrepreneurs, et donc des privés. Je n'hésiterai pas, et je ne pense pas que d'autres institutionnels hésiteraient à soutenir et encourager une telle initiative. Dans mon esprit, Casablanca mérite effectivement largement d'avoir aussi un festival de référence qui peut se démarquer d'autres festivals, mais qui reflète ce qu'est l'esprit de Casablanca. On va en parler dans un instant, M. Bakouri, parce qu'on a deux militantes culturelles qui sont là, parce qu'on va
aller un petit peu plus loin sur cette place de la culture. Richard Attias disait tout à l'heure, donc il y a la culture, il y a la marque, il y a les investisseurs, il y a le tourisme, mais il a dit quelque chose d'important. Toute ville qui veut justement attirer aussi les touristes, il faut, a-t-il dit, avoir des hôtels dignes de ce nom. Tourisme d'affaires ou culturel, pour une métropole, c'est essentiel. Alors nous partons maintenant pour Washington, avec l'un des grands noms justement du tourisme mondial. Malheureusement, il ne pouvait pas être en duplex avec nous en direct, mais il nous a adressé lui aussi un message. C'est Chris Nassetta, c'est le président, directeur général du groupe Hilton. Hilton, ça réunit 6000 hôtels dans 114 pays. Il est également le président du WTCC, c'est le Conseil mondial du tourisme et du voyage. Chris Nassetta. Hello to everyone in Casablanca. I'm Chris Nassetta, president and CEO of Hilton and chairman of the World Travel and Tourism Council. On behalf of all of us at Hilton, I want to say a very big congratulations to everyone involved in the Canopy by Hilton Casablanca, Les Sirènes. I also want to say a special thanks to the team at Yamed Capital for your partnership on this incredible project. Morocco has been a very important destination for Hilton for literally decades. In fact, in 1967, our founder, Conrad Hilton, personally opened our first ever Moroccan hotel in Rabat, experiencing your legendary Moroccan hospitality. This project is hugely important as we expand in this part of the world. It's also our very first Canopy property in North Africa, and we're thrilled it's part of one of Casablanca's iconic cultural neighborhoods. I'm sure this new hotel will embody the historic spirit and artistic flair of Les Sirènes, and I can't wait to visit and see it for myself one day. Once again, congratulations to all that have been involved. Thank you. It's an amazing project. Best wishes as construction gets underway, and I hope everybody enjoys the evening. Très beau message également, une véritable déclaration d'amour quand même un petit peu à tous les Casaouis et à tous les Casablancais. Richard Attias, vous nous interpelliez tout à l'heure sur les hôtels, il vient de le dire quoi, les hôtels de prestige jouent un rôle majeur pour l'image d'une ville, mais ça ne suffit pas. Vous disiez tout à l'heure les festivals, mais quand on parle de marque, et vous connaissez, vous savez mieux que personne en fait la notion quand on parle de marque, c'est pas juste un festival. Non, mais si vous le permettez, avant de parler du festival et de la culture, j'aimerais revenir sur ce qu'a dit mon très cher ami Mustapha Bakouri. Il y a une potentialité énorme à Casablanca, et il y a un écosystème à bâtir. Mais il faut également rappeler que Casablanca, au-delà d'être le mythe Humphrey Bogart et Ingrid Bergman, a été et est aussi une ville et une de ses capitales de la paix. Vous savez, comme l'a dit très justement Karim Bekali, il faut que ça devienne une destination. Et une destination en termes de marque, c'est non seulement les atouts culturels, les atouts touristiques, les atouts et les qualités des infrastructures, mais aussi la symbolique de la ville. N'oublions pas que Casablanca, au-delà de ce qui s'est passé dans les années 20, 30, 40, 50, a été, il n'y a pas très longtemps, en 1994, le témoin d'un événement exceptionnel qui me touche personnellement, non seulement parce que j'étais modestement un petit acteur, mais vous comprendrez très bien que lorsque feu Sa Majesté Hassan II a accueilli au Palais Royal de Casablanca, parce qu'il n'y avait pas de centre de conférence international, la première rencontre dans le cadre d'un forum économique, mais où Yitzhak Rabin et Yasser Arafat se sont serrés la main, je peux vous dire qu'il y a eu une grande émotion qui s'est produite à ce moment-là, et ça a été un des enclenchements et un des maillons très importants de processus de paix. Donc c'est aussi une capitale qui symbolise la paix, et ça c'est très important. Et donc je pense que ce sont toutes ces caractéristiques qu'il faut rassembler pour effectivement amener des événements internationaux à Casablanca, qui peuvent être des festivals, mais qui peuvent être aussi des grands rendez-vous internationaux autour de la paix, autour de plein d'autres symboliques que Casablanca peut légitimement accueillir. Casablanca a été le berceau des grands hommes internationaux politiques qui ont marqué notre histoire contemporaine. Des accords de paix se sont signés également. Churchill est venu à Casablanca, et j'en passe, et des meilleurs. Oui, la conférence de Casablanca en 1942, bien sûr, bien sûr. Il faut rappeler cela parce que malheureusement, nos jeunes, qui finalement sont, pardon de ce terme, les consommateurs
de demain pour Casablanca n'ont pas nécessairement la connaissance de cette histoire. On est aujourd'hui confronté à des générations qui n'ont pas eu le temps ou la possibilité de savoir ce qu'il s'est passé il y a 30 ans, 40 ans, 50 ans. Or, c'est ce qui fait l'âme du peuple. Et puis le deuxième point sur lequel j'aimerais rebondir, sur ce qu'a dit également Mustapha Bakouri, avec Casablanca Finance City, qui est pour moi une plateforme exceptionnelle. Et je me félicite que Mustapha Bakouri ait rejoint encore récemment l'ensemble de ce conseil d'administration, et je suis certain que ça va donner encore un nouvel élan. Je sais qu'il y a eu des combats, je sais que l'Union européenne a challengé Casablanca Finance City parce qu'il y a des atouts fiscaux importants. Je pense qu'il faut résister. Dubaï s'est construite parce qu'il y a eu Dubaï Financial City et parce qu'il y a eu des exonérations fiscales qui ont été faites et ça a attiré énormément d'investisseurs. Alors je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais Casablanca peut devenir une place offshore. Le mot offshore n'est pas un scandale, ça fait partie aujourd'hui d'un contexte économique et il faut avoir le courage de mettre, comme il y a les zones à Tanger, il faut également le faire à Casablanca et ailleurs, il faut créer tout simplement de l'attractivité et de la compétitivité. Alors, nous allons parler de culture, justement. Je sais, dans un instant, je vous donne la parole. On va parler de culture et on a demandé justement rentrer dans le vif du sujet à un artiste de nous faire découvrir son Casablanca. Il est assez imprévisible, c'est un touche-à-tout, réalisateur, mais aussi auteur, bédéiste, musicien, c'est Hicham Lhasri. Voici le petit film qu'il a réalisé à la demande de Yamed Capital et qu'il a réalisé spécialement pour cette émission. Casablanca possède donc une histoire. Comment dégager le caractère de Casablanca à travers ses aspects contradictoires? Il nous a emmené dans la danse, Hicham Lhasri, dans la musique, dans la danse, justement, on parle de culture. Une invitée, pardon, voilà l'effet que ça me fait, Oum, de vous recevoir. Une invitée nous a rejoint. Bonjour, Oum. Bonjour, merci d'être avec nous. Ben, merci de m'avoir parmi vous. Je suis très touchée. Vous n'allez pas y échapper. Tout le monde nous a dit son casa. Je veux votre casa. Eh bien, mon casa, je pense que j'y ai fait deux naissances. J'y suis née parce que mes parents étaient de passage ici en avril 78, parce que je suis Marrakechien. Hein. J'ai fait le reste de ma vie à Marrakech et puis j'y suis renée. J'y suis née une seconde fois en tant que musicienne, puisque j'étais venue après avoir passé mes années d'études à Rabat, à l'École nationale d'architecture, m'installer dans ce Casablanca où il y avait probablement pour moi un petit peu plus d'opportunités, pouvoir chanter, jouer de la musique, rencontrer des musiciens et étudier cette possibilité finalement de laisser l'architecture et de partir avec la musique, ce que j'ai fait. Donc Casablanca m'a vue naître deux fois, alors oui. Et en préparant cette émission, j'ai appris en fait qu'avant de commencer dans la musique, vous aviez une formation d'architecte. Vous écriviez même
des articles sur l'architecture. J'ai eu une petite expérience comme ça, en effet. En fait, j'ai quitté l'école d'architecture après avoir passé 6 années. Et puis, comme un peu pour ne pas trop fâcher l'architecture avec moi, parce que c'est quand même une école qui m'a beaucoup appris, qui m'a ouvert l'esprit. Et j'ai été invitée par une amie, Selma Zrouni, qui montait à l'époque la première revue d'architecture au Maroc, et qui m'avait invitée à l'époque pour faire un travail un peu journalistique spécialisé en architecture, chose qui m'avait fait peur dans un premier temps, mais finalement, ben, je l'en remercie parce que c'était une formidable expérience. J'ai pu rencontrer notamment des architectes comme M. Rachid Andalousi et d'autres, travailler justement sur un Casablanca et y réfléchir, et ce qui m'a permis de quitter l'architecture en douceur, en apprenant sur la ville de Casablanca. Nos artistes casablancais sont de véritables ambassadeurs à l'international. L2 voyage un petit peu partout dans le monde. Ce sont de véritables artistes, Zineb Andres Araki et Aïcha El-Beloui. Zineb, j'ai envie de vous demander à vous. D'abord, vous êtes habituellement toujours avec un appareil photo. À essayer de capter des moments, en fait, de Casa, mais pas seulement des immeubles ou des lieux historiques, mais aussi de la vie casablancaise. Et je voulais vous demander si, à travers vos photos, c'est aussi un devoir de mémoire pour vous. Oui, complètement. J'ai aussi un devoir. Je voudrais revenir sur ce qui s'est dit tout à l'heure. Bien sûr, avec plaisir. Alors, je suis totalement d'accord sur le fait que Casa doit être une marque, sur le fait que Casa doit se développer. Je voudrais revenir et dire qu'on a un festival qui n'est pas des moindres, qui est le Boulevard et le Tremplin, oui. Qu'on a Casablanca, que la SDL Casa Event a fait le festival de Casa. Donc, nous avons des festivals. Et je voudrais revenir sur... Je suis totalement d'accord avec vous sur la marque, mais ce qui fait la spécificité de Casa, et c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Monsieur Andalousi, c'est que c'est une ville qui était une ville d'expérimentation. Et c'était une ville qui s'est pensée dans une globalité. Et c'est une ville qui, pour moi, a une esthétique qui est une esthétique qui lui est propre, qui est une esthétique rugueuse et qui est absolument pas lisse, comme ce qu'on voit aujourd'hui dans toutes les villes à travers le monde. Et justement, pour qu'elle devienne une marque, je pense que c'est justement un nouveau modèle qu'il faut créer et qui est complètement propre à Casablanca, contrairement aux autres villes. Et c'est le seul moyen de faire de Casa quelque chose qui rayonne, parce que, en fait, c'est comme un grand amour, c'est un champ lexical propre et c'est totalement singulier. Et maintenant, je peux répondre à votre question. Voilà. Allez-y, allez-y. Et donc, ta question, c'était, pardon ? La question, c'était à travers, en fait, toutes les photos, les expositions que vous faites, oui. Partout où vous bougez. Est-ce que c'est un devoir de mémoire pour vous ? Ah oui, complètement, parce que je pense que, enfin, en tous les cas pour moi, et je pense qu'on ne peut pas construire l'avenir en faisant tabula rasa du passé, et qu'on a besoin de comprendre l'histoire, comprendre d'où on vient, comprendre comment on s'est mélangé et respecter ce qui a été pour pouvoir fabriquer demain, je pense. C'est quoi la différence entre l'art et l'architecture ? L'architecture rend des comptes à des hommes et l'art ne rend de compte qu'à l'art. Et pour moi, c'est extrêmement important parce que l'architecte a un devoir, il a un regard sur le monde, il doit avoir un rapport au monde et on ne peut pas faire n'importe quoi. On n'a pas le droit de faire n'importe quoi. On n'a pas, au contraire, et ce qui est fascinant moi, dans cette ville et ce qui me désole, c'est qu'on a tellement la possibilité de pouvoir en fait faire des expérimentations et challenger cette architecture qui existe, construire au-dessus, construire avec. Et pour moi, c'est le seul moyen de faire de cette ville quelque chose qui sera singulier dans le monde, parce que c'est bien plus facile de détruire en fait. Aïcha El-Beloui, vous êtes illustratrice, vous dessinez Casablanca dans ses moindres détails, mais en réalité, ce que vous racontez, vous aussi, un petit peu comme Zineb, c'est la vie de Casa. Oui, parce que depuis tout à l'heure, on parle un peu de la perception de Casablanca de l'étranger, mais ce qui m'intéresse aussi, c'est la perception de Casablanca par les Casablancais. Et la notion humaine qui Exactement, est importante pour vous. Parce qu'on est quand même un peu plus de 5 millions d'habitants dans cette ville, et à chaque fois qu'on en parle... on fait référence à une fiction, mais on est bien vivant dedans. C'est une des villes les plus grandes du Maroc, une des villes les plus peuplées du Maroc. Mais où sont ces gens ? On est en train, en même temps, de découvrir un petit peu votre travail, Exactement. Qui est incroyable. Donc, le travail que j'essaie de faire, c'est un travail de représentation de cette ville à travers ses habitants, parce que c'est une ville qui est quand même assez enclavée. Il y a des petites bulles qui ont des connotations dans l'imaginaire collectif qui est très, très grande. Mais qu'on ne voit nulle part. Et du coup, c'est à, bien sûr, très petite échelle, mais on essaie un peu de faire rayonner ça où on peut,
Voilà, la perception des Casablancais est pour moi très très importante. Et quand on vit dans cette ville monstre qu'on aime beaucoup, mais qu'on ne sait pas pourquoi on aime Casablanca. Les Casablancais, très souvent, ne savent pas quoi répondre quand ça, on leur dit... Ça, vous avez parfaitement raison. Oui, qu'est-ce que tu aimes dans Casablanca raison. On est juste agressif, comme on l'est très souvent en disant... C'est pour ça qu'en introduction, je disais, certains en sont fous amoureux et d'autres la détestent. Exactement. Et pourtant, ils sont Casablancais. Oui. Alors, vous disiez, on essaie de la faire rayonner un peu. Moi, je dirais que vous la faites rayonner beaucoup, toutes les trois, en fait. Et puis, on a la chance, ce sont trois femmes. Vous l'avez fait rayonner, Casablanca, à travers une exposition, notamment, Loading Casablanca. C'était à Dubaï. Casablanca était à l'honneur. Et Zineb, vous avez dessiné toute la scénographie. Alors, ce que l'on voit à l'image, j'aimerais bien que vous nous le commentiez, Aïchel Belloui, c'est une fresque gigantesque, 23 mètres. Exactement, c'est 23 mètres sur 6. C'est la façade, en fait, du pavillon exactement. De Dubaï. C'est la façade du pavillon Iconic City dans le cadre de la Dubai Design Week, c'était en 2017. Et donc, chaque deux ans, ils choisissent une ville nord-africaine ou du Moyen-Orient pour à mettre à l'honneur. Et donc, cette année-là, c'était Casablanca, sous le chapeau de Selma Lelou, on a été invité à participer. Et du coup, j'ai réalisé la façade et une fresque à l'intérieur. Et Zineb s'est chargée de la scénographie de toute l'installation du pavillon. Quel Casablanca vous avez raconté à Dubaï? J'ai essayé de rendre compte d'un Casablanca. J'ai essayé d'en faire une expérience, en fait. Parce que j'ai essayé d'en faire une expérience. J'ai essayé... En fait, quand on vous donne une scénographie, il y a ce que vous ressentez de la ville et il y a l'endroit dans lequel vous devez faire l'exposition. Donc, il s'avère que j'avais cette immense façade. Donc, du coup, je me suis dit, on va en faire quelque chose. Donc, on rentre dans Casa. Le sol était blanc, on voulait qu'il se salisse. Il se renversait de la courbe de Casa parce qu'à l'intérieur... Le sol se salisse, c'est la notion dont Aïchel Belloui, c'était aussi la ville, c'était aussi l'humain. Oui, parce que je voulais que... Casa, c'est sale, c'est d'Albeda, mais c'est gris, en fait. Et je voulais ça. Je voulais aussi que... on a travaillé aussi avec Monsieur Tanguy. On avait des vitrines où on a repris Casablanca sous cinq axes avec plein d'archives de Casablanca. Et on avait des photos, une expo photo que j'ai faite où on a une photo de Casa, une photo de Dubaï. Et on avait le film de Hicham Lasri. Le film de Hicham Lasri. Et on avait l'installation sonore de Anna Raimondo et une tapisserie de Monsieur Maftah qui date des années 70 et qui parle un peu de l'école de Casablanca, en fait. Et le logo de Loading Casa fait par Aïcha. Et voilà. Ça, je ne savais pas. Oui, et en fait, on rentrait dans cette expo. Je ne sais pas si on a d'autres images, mais en gros, on avait on rentre dans des plafonds, dans des jeux de miroirs, dans des jeux de réflexion. Et voilà. Et voilà, et c'est déjà pas mal. Ouais. Hein, et c'est déjà pas mal. Et apparemment, cette exposition, il y a eu beaucoup de monde. Oui. Et je crois que vous avez une anecdote de quelqu'un qui est rentré, qui a été surpris, qui était de Dubaï. J'aimerais bien que vous nous le racontiez. J'adore les anecdotes. Ouais. J'y étais pas, mais Monsieur Sir David Adjaye est passé. Il a dit « It's the highlight of Dubai Design Week ». C'était quand même un très bel hommage. Ouais. Ah oui, non, j'ai pleuré. Oumain. Casablanca, c'est aussi un hub des plus créatifs sur tout le continent, en Afrique. Vous, partout où vous êtes, en fait, on entend le mot Casablanca. Vous faites des tournées dans le monde entier, mais en fait, votre casa et les Casaouis, vous les oubliez jamais. Il y a toujours un petit mot. Je pense que j'essaye, à ma manière, en tout cas, d'être libre. Et c'est comme ça que j'exprime probablement... mon Casablanca. Je ne dis pas forcément que je suis de Casablanca, je ne dis pas non plus que je suis du Maroc, je ne suis pas de celle-là, je préfère que ça s'exprime de façon indirecte, absolument, à travers une attitude aussi. Et je pense que je ne fais pas forcément la publicité de la ville de Casablanca, mais j'essaie de représenter ma culture marocaine, mais d'une façon casablancaise, à savoir libre d'être ce Maroc comme moi je le ressens. Ne pas être une carte postale. Et je pense que vivre à Casablanca, ça donne aussi cette possibilité d'interpréter sa propre identité comme bon nous semble. Enfin, moi, il me semble que c'est le cas et c'est ce que j'essaye de faire dans ma musique. Et moi, en l'occurrence, c'est ce que j'aime dans Casablanca. Si je n'aime pas forcément tout dans la ville,
J'aime en tout cas lui emprunter ne serait-ce que cette liberté d'être ce que moi je décide d'être et de me transformer aussi. Alors la liberté d'être, ce serait un petit peu l'état d'esprit de Casablanca, c'est dans une de vos chansons, Tma. Oui, alors Tma, c'est une chanson, il ne s'agit pas de Casablanca, je pense que c'est ailleurs que tout le monde possède, hein, dans son rêve ou dans son esprit. Et je pense même quand on arrive à être très très libre, il nous reste cet ailleurs où c'est permis d'être davantage libre. Je parle dans Tma un peu des libertés individuelles, n'est-ce pas? Je ne sais pas si on les a toutes acquises à Casablanca, peut-être pas, mais peut-être à Casablanca un petit peu plus qu'ailleurs au Maroc. Et en tout cas, voilà, c'est ce Tma, ce là-bas, où on est soi-même, et qu'on n'essaye pas de faire semblant pour se fondre dans la masse ou pour être au rendez-vous de ce qu'on attend de nous. Vous avez vu ce qu'il y a juste à côté de vous? Il y a un oud, oui, bien sûr. Il y a un oud. Vous voyez ce que ça veut dire? Alors, ça veut dire que je suis ravie. On aimerait beaucoup que vous nous la chantiez, cette chanson. J'ai la chance d'avoir avec moi. Il ne suffit pas juste d'en parler. On aimerait bien l'entendre, s'il vous plaît. Et il y a un musicien qui est là pour vous accompagner. Je vais le présenter, si vous permettez. Nabil Khalidi. Bonjour. Nabil Khalidi est un ami musicien et on a la chance d'être tous les deux à Casablanca aujourd'hui, d'habiter d'ailleurs tous les deux dans un quartier de Casablanca. Je ne sais pas si on appelle ça un quartier de Casablanca, Darbouezza. Je suis casablancaise. Oui, un tout petit peu éloignée, mais ça en fait partie. Fière de l'être, mais Darbouezza pour moi en fait partie. Je pense que c'est d'ailleurs une fois que j'ai été là-bas que je commence à percevoir Casablanca autrement, à me réconcilier avec la mer et tout ça. Donc merci si Nabil d'être avec moi. Les musiciens qui m'accompagnent dans mes projets sont tous à Paris et j'ai beaucoup de chance d'avoir Nabil avec moi, avec qui on avait fait d'ailleurs des projets auparavant. Mon premier album, par exemple, on avait joué à la chanson Smita, Nelik. On y va pour Tma? Tma. ديني تما ديك الخيمة فوق الغيمة اللي بنيناها فرشنا بيدينا أنا وياك تما نجلس وتما نحس وتما نضحك وتما ندوي ونسكت وتما نحيا تما نكونو كيما كنا تما نكونو حنا وما حنا تما جنانا تما والمكان ديني تما تما ديني ديني تما ديني لك ديني تما اللي حنا يا مالي ديني تما فينا عراسي قصرنا بحرنا ومكان ذهب عقلنا تما في نيت لالا ذهب الرمال تم نتكا وتما نبقى وتم نسال وما نلقى جواب تما ما بقينا نخمم وتخمام تما نكونو كما كنا تما نكونو حنا وما حنا تما جنانا هو المكان ديني تما تما ديني
وديني تما فينا عراسي قصرنا وسبول قمح حقلنا والدالية تعسل القرنفل تما فينا مراسي بحرنا ومكان ذهب عقلنا تما فيني تلالا ذهب الرمل تمنتك أو تما نبقى وتمنسال وما نلقاو جواب تما ما بقينا نخمم وتخمام تما نكونو كيما كنا تما نكونو احنا وما احنا تما هو المكان ديني تما تما ديني ليه ديني تما ديني لك ليه Merci, Simon. J'avais pas envie que ça s'arrête, en fait. J'avais pas envie. Merci. On parlait de la vie culturelle, on a parlé un petit peu des festivals, de la place, du boulevard. Vous avez parfaitement raison, Zineb, quand je parlais de peu. Il y a des grands événements, mais il en faudra encore davantage pour faire rayonner à l'international. Moi, j'aimerais vous interpeller, vous, monsieur Tanguy. Et, monsieur Tanji ou monsieur Tanguy, d'abord Tanji. Certains vous appellent Tanji, donc c'est elle qui fait une erreur, pas moi. On est d'accord, là. Non, mais c'est pas grave. Non. Moi, j'aimerais aussi vous Duar entendre. Tanji, c'était juste à côté de moi. J'aimerais vous entendre, Monsieur Bakouri et Monsieur Tanji, parce qu'on ne va pas vous entendre que sur les plans d'urbanisme. Il faut que vous entendez un petit peu sur votre passion à vous. Et j'aimerais quelques minutes que vous enleviez votre casquette de président de la région de Casablanca-Stat et que vous deveniez juste Mustapha Bakouri pour quelques petites minutes. J'aimerais que vous remontiez un petit peu en arrière, on parle de la scène culturelle. J'aimerais qu'on remonte aux années 70, aux années 80, même aux années 60, parce qu'en fait, il y avait la vie culturelle était des plus riches. C'est ça, monsieur Tanji? C'est certain. Mais je voudrais, depuis tout à l'heure, j'attendais à rebondir à quelques petites questions, j'aimerais bien... À monsieur Bakouri? Non, d'abord à Zineb. Pour rappeler un rappel sur Casablanca à l'auditeur. Au niveau du port de Casablanca, il faut rappeler que le port de Casablanca, étant le premier port construit sur l'Atlantique, c'est une première mondiale, tant que personne ne l'a dit. Deux, c'est que le port de Casablanca était déjà premier port du Maroc en 1902, bien avant l'arrivée du protectorat. La Marsa de Casablanca a été instaurée, les douanes ont été mis sur l'emplacement de Marsa avec des entrepôts par le Cheikh Tamoul Abd Ahmed. Ça, il faut le rappeler, parce que non, tout à l'heure, Zineb a dit qu'il faut comprendre d'où on vient. Bon, ça, il faut... Et puis, moi, j'ai un intérêt important, parce qu'on n'a pas assez parlé de l'ancienne Médina. On y reviendra, vous allez voir, vous allez apprendre à la fin, parce qu'il y a quelque chose qu'on a à vous annoncer, mais à la fin de cette émission, il va falloir être un tout petit peu patient, parce que vous allez voir que l'histoire de l'ancienne Médina, vous allez en entendre beaucoup parler, mais je vous promets. Mais pour le moment, j'aimerais bien que vous répondiez à ma question, parce que vous n'y avez pas répondu. Donc je suis un petit peu triste. D'accord, vous la répétez. Non, les années 60-70, culturellement parlant, est-ce que vous diriez, vous d'ailleurs, que c'était plus riche encore que maintenant? Pas seulement. Depuis les années 20, c'était riche. On avait à Casablanca, par exemple, 4 musées. On avait le musée de l'avenue de la rue de l'Avenir, où il y avait des tableaux de Majorelle, de Selaimri, de grands peintres. On avait le musée commercial, tiens, il est juste derrière la poste sur le boulevard Mohamed V, à l'angle de la rue Colbert, où il y avait l'ancien école SKE. Il y avait un autre musée... Le musée des arts indigènes, il est sur le 4e Zouef. Le bâtiment est toujours là. Et puis, on a un bâtiment qui est toujours vivant, justement, l'ancien Médina. On a la rue du musée où il y avait justement le musée et le bâtiment est toujours là.
C'est pour cela que... Moi, j'aimerais que vous me parliez aussi, en dehors des musées, ce qui se passait. Alors, la vie parce culturelle et sportive... Parce qu'il y avait les concours de garçons de café, il y avait la piscine, avec des concours invraisemblables. On y viendra, mais... Qu'on n'imagine même plus aujourd'hui. Oui, mais comparé avec aujourd'hui, il n'y a absolument rien. Casablanca, c'était les 12 heures de Casablanca. C'était la Formule 1 de Casablanca. C'est dommage, j'ai envie de me rapprocher de vous, mais en raison des distances, distanciation sociale, moi j'aimerais, Mustapha Tandji, que vous me rappelez juste quelques anecdotes de cette époque. Alors, parce que la piscine, oui, on voit des photos, oui, il y a des images, mais c'était quoi? La piscine municipale était une des plus grandes piscines au monde. Elle faisait 470 mètres de long sur 80, avec un plongeoir exceptionnel. On y rentrait. Moi, je me rappelle qu'on payait un dirham pour entrer à la piscine municipale. Un dirham? Oui, je pense que c'était aux alentours d'un dirham. Et Casablanca avait un petit festival qui s'appelait le festival de Ain Dieb, où il y avait le Moussem Doucet Abdrahman, c'était très grandiose, moi, je rappelle. Et je rejoins Sibakouri pour dire que les institutions financières doivent participer à l'animation. Sur Ain Dieb, chaque année, il y avait ce festival de Ain Dieb, et il était financé par tous les propriétaires de restaurants, de boîtes de nuit, et ils avaient une association, et c'est eux qui animaient ce festival. Donc, sur toutes les piscines, il y avait bien sûr... À part les miss, chaque piscine avait sa miss, mais on avait des concours de château de sable pour les jeunes. Tiens, on avait même aussi, Gilles Messa, miss bébé. Eh bien oui, une fois par an, on avait un concours de miss bébé. Quoi d'autre? Les courses aux fleuries, les courses de garçons de café. En ville, on avait toujours, une fois par an, un grand événement qui était organisé par la ville elle-même, où il y avait les courses de possiers. Vous vous souvenez, vous, de cette époque, Mustapha Bakouri? Pas avec les mêmes descriptions. D'abord, je n'ai pas eu la chance de vivre tous ces événements. Il y a peut-être un petit écart d'âge, un tout petit. Un tout petit. Mais aussi parce que, comme je vivais à Mohammedia, venir assister à ce genre d'événement était aussi du domaine du rêve, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc venir à Casablanca, c'était déjà une récompense. Et évidemment, il fallait travailler, il fallait avoir de bonnes notes pour mériter de venir à Casablanca, et ça arrivait, donc c'est les cinémas... C'était la récompense. C'était la récompense, bien sûr, qu'il faut... Je crois que c'est encore le cas dans l'esprit de beaucoup de Marocains, de venir... En tout cas, aujourd'hui, je le vis, je remets la casquette président de région un tout petit instant. On a géré aussi cette problématique, c'est que Casablanca a toujours ce pouvoir d'attraction et qui pose problème, parce qu'il y a un afflux... très important, qu'il faut gérer, qu'il faut maîtriser, qu'il faut réussir. Et je donnerai deux, trois chiffres. La population de Nouassar et la population de la province de Nouassar et la population de Midiona, qui sont à la lisière de Casablanca, ont progressé entre 2014 et 2020 de 41 et de 42 % respectivement. Et la population de Casablanca, plus 6 %. Et la population de Stade, moins 2 %. C'est des Noirs, moins 6 %. Donc, il faut gérer ça. Donc, c'est pour aussi qu'il y ait suffisamment à faire ailleurs, en termes économiques, mais aussi en termes sociaux et culturels, pour que ce déséquilibre territorial ne soit pas ingérable pour nous tous demain. On a débuté cette émission en parlant de Casablanca, l'avant-gardiste. Casablanca à l'avant-garde également au niveau culturel. Est-ce que vous vous souvenez, vous, des arènes? Pas vraiment, pas physiquement, mais... Mais vous en avez entendu parler? Oui, elles ont été détruites dans les années 70. Parce que c'était quand même l'un des lieux... Pour le coup, là, c'est un lieu mythique, mais qui a été précurseur. C'était pour la tauromachie, d'ailleurs, mais aussi sur le plan culturel. Même, je pense que M. Tandji et la Chine d'Andalousie, vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur ces arènes, parce qu'il n'y avait pas que ça, en fait, c'était le mawazine de l'époque. Pas seulement, il y avait des événements assez réguliers. Les grandes figures de la chanson mondiale sont passées par là-bas. Il y a aussi des matchs de boxe. Voilà, on découvre justement quelques images des arènes. Là, nous sommes en 1900,
Quelle année, monsieur Tanguy? 1921. Oui, l'inauguration, c'est 1921. J'ai jamais cru que vous étiez aussi et drôle. Et le comble, c'est que à l'inauguration des arènes, c'est pas la tauromachie, c'était un combat de boxe. Donc il y avait aussi d'autres activités sportives et culturelles. Il y a eu beaucoup d'événements. Si les arènes étaient encore parmi nous aujourd'hui, ils auraient encore accueilli des événements et faire de Casablanca, justement, cette aura connue dans le monde par rapport à ces activités culturelles, je dirais bien, parce qu'il n'y a pas moins de... dans le temps, hein, c'était 50 salles de cinéma, de théâtre, le Rialto et le théâtre municipal. Et aussi, c'était un lieu d'événements, les arènes, qui avaient une architecture à l'entrée, une belle porte arabo-mauresque, magnifique, avec de belles arcades. Mais au début, c'était en bois, non? Pardon? Est-ce qu'elles étaient en bois au départ? Oui, tout c'est à ça, fait. Hein oui, tout à fait. Les tribunes étaient en bois et c'est en 1934 qu'on a reconstruit les tribunes en béton armé. Donc, il a été fermé pendant 3 ans. Et voilà, comme on voit sur ces images, parmi les événements, là, c'est les événements des années 60, on essaye de monter une pièce théâtrale. Tiens à dire quand même que c'est grâce à votre collaboration, parce que ce sont des images inédites que vous nous avez prêtées spécialement pour cette émission. Un grand merci, parce que je crois que beaucoup de personnes, en fait, ne connaissent pas. Le plaisir est pour moi, je remercie Ahmed. Grâce à Yamed Capital, justement. Rachid Andalousie. Non, effectivement, qu'il faudrait citer. Johnny Hallyday, Joséphine Baker, Fayrouz, Abdelhalim, et d'autres événements importants. Donc, dans la mémoire de ce lieu est assez importante. Et elle a fait de ce lieu un lieu international. Au Caire, on parlait des arènes à Casablanca parce que Oum Kalthoum a failli chanter. Non. J'ai dit a failli. Et Joséphine Baker a chanté au Rialto. Oui. Elle est revenue en 66 en tant qu'invitée. Oui. Elle a dîné à la corrida, au restaurant, oui, qui était pratiquement inséparable. On voit comment elle s'appelle, Solange et son mari qui est décédé à Srirat. Et là, on voit Joséphine Baker, justement. Ça, c'est. C'est les arrêts. On dirait du Petula Clark, non. C'est les arènes. C'est pas ça. Halloween. C'est les arènes. Non. Non, c'est Halloween. Ça, c'est aux arènes. Ça, c'est Petula Clark. Petula Clark. J'y suis arrivé. J'y arrive pas. Et ça, c'est Dalida. En tout cas, comme on a du mal à imaginer. Oui. La légende de la boxe. Oui. Demi-lourd, oui. C'est Marcel Cerdan. Il a boxé aux arènes. Il a boxé aux arènes. Il a boxé aux arènes. Je me rappelle, j'étais gosse, j'étais voir avec mes parents un monsieur qui est venu de France et qui faisait pendant 7 jours le tour des arènes en bicyclette. Ah, ça, c'était un hindou. Un hindou. Oui, c'était un hindou qui est étrange. Malheureusement, il n'a pas eu le. Il essayait de battre le record. De longévité en pédalant, et malheureusement sur Casablanca il n'avait pas battu. Bah, j'étais très jeune, je ne pouvais pas. Non, oui, mais j'avais peur que tu me dises que c'est Cerdan. Pardon? Ma sœur dansait aux arènes à la fin de l'année scolaire. Donc les écoles de Casablanca venaient avec les gosses les faire danser pour fêter la fin de l'année. Il y avait des compétitions, des petits matchs de handball. La fête de la jeunesse, elle se passait à l'intérieur des arènes aussi. Et on a peu d'archives sur ce lieu. Alors, Cerdan a boxé aux arènes en tant que champion de France et d'Europe. Voilà. Il a boxé aux arènes. Il a boxé aussi juste avant au Cinéma Vox. C'est vrai qu'on a énormément en fait de mal à imaginer. Des arènes, 12 000 personnes, aujourd'hui, en fait, sur le boulevard d'Anfa. Jean-Louis Cohen, vous êtes toujours avec nous. Pardon, on vous a un petit peu oublié. On s'est laissé un petit peu emporter par le débat. Jean-Louis Cohen, voilà, vous êtes là. Ces arènes, c'est encore une douleur, en fait, une véritable douleur pour l'ensemble des Casablancais. Pourquoi elles ont été détruites ? Écoutez, je pense qu'il y a un syndrome qui est très clair. Pendant les années de plomb,
ont été détruits le cinéma Vox et le théâtre, et ensuite ont été détruites les arènes. Donc il y avait, je pense, je le dis en ami du Maroc, une politique délibérée pour priver les Casablancais de grands lieux de réunion. Cette politique est révolue, et aujourd'hui Casablanca, Rachid Andalousi peut en témoigner, puisqu'il est un des architectes de ce magnifique projet. Aujourd'hui Casablanca se dote d'un grand théâtre, mais pendant plusieurs années, Casablanca, on l'a dit, est une ville turbulente, c'est une révoltée, et je crois que les autorités, comme l'on dit, ne tenaient pas à ce qu'il y ait des lieux de réunion potentiels. Voilà, c'est la première force qui a œuvré contre le patrimoine casablancais. La deuxième, évidemment, c'est la force de l'argent et la nécrologie des villas, des immeubles, des bâtiments de très grande qualité qui ont été détruits ou défigurés, est infinie. Et il est temps que ça cesse. On ne peut pas à la fois plaider pour que Casablanca trouve sa place dans le réseau du tourisme mondial, dans le réseau du tourisme urbain et du tourisme culturel, et laisser son patrimoine être détruit par la spéculation. Alors, justement, une question à ce sujet, juste avant de parler du Casablanca de demain, sur les destructions, et il y en a eu notamment pendant le confinement. Sur les destructions, il y avait un fameux plan, en fait, de sauvegarde pour le Casablanca historique. Est-ce que vous avez des choses à nous dire? Est-ce que vous avez été sollicité? Est-ce que ce fameux plan va voir le jour bientôt? Est-ce que vous avez des informations à ce sujet? Oui, alors je voudrais faire un point très clair. J'ai été engagé, grâce à mon travail sur ce livre, dans une équipe que conduisait Tariq Walalou, excellent architecte marocain, qui a mis au point plusieurs documents. Le premier document, c'est un plan de sauvegarde de Sidi Bilyout, essentiellement du Casablanca à l'intérieur du boulevard Zerktouni, avec quelques annexes. Ce plan est achevé. Il a été remis et approuvé par l'agence urbaine de Casablanca, qui en a été le commanditaire. Pour qu'il devienne actif, opposable au tiers, pour qu'il entre dans le droit de l'urbanisme et qu'il s'impose à tous, ce plan doit être intégré dans le règlement du plan d'aménagement qui est à l'étude et qui devrait être terminé rapidement. Donc je pense que c'est maintenant une question de mois. Dans quelques mois, il y aura un plan d'urbanisme qui dira quels bâtiments doivent être conservés et restaurés. Pour vous donner des chiffres, sur environ 10 000 bâtiments à l'intérieur de ce périmètre du boulevard Zerktouni, nous avons identifié 700 bâtiments de première qualité qui doivent être préservés et restaurés, et près de 2000 bâtiments d'une très bonne qualité aussi qui doivent être attentivement surveillés et qui ne peuvent pas être transformés n'importe comment. Donc c'est un plan très ambitieux et qui devrait avoir force de loi très rapidement. Mais est-ce que ça veut dire, excusez-moi, est-ce que ça veut dire que ça interdira la destruction ou pas? Non, ça interdira pas la destruction de 10 000 bâtiments, évidemment que non. De ce qui sera... Casablanca doit vivre. Il y a des territoires de Casablanca où on peut construire des immeubles en hauteur, que l'on peut densifier, mais il faut être attentif aux bâtiments qui sont, je dirais, les joyaux de la couronne et aussi aux ensembles urbains. Aux bâtiments qui font paysage. Je pense par exemple au boulevard de Paris, au boulevard Mohamed V. Aujourd'hui, les protections au titre des monuments historiques sont insuffisantes tant qu'il n'y a pas de protection dans le plan d'aménagement. Et encore une fois, ce plan est en fin d'étude et devrait être mis à l'enquête publique. Ce sera mis à l'enquête publique et tous les Casablancas pourront s'exprimer pour ou contre dans les prochains mois. En parallèle, oui. Pardonnez-moi d'ajouter encore un thème. Un plan de revitalisation est en cours d'étude pour les quartiers du centre. Revitalisation, c'est un travail sur l'espace public, sur les façades des bâtiments, sur la signalétique, sur l'éclairage, sur la publicité, de manière à redonner à des quartiers qui sont souvent aujourd'hui splendides dans leur misère, dans leur misère visuelle, je dirais, à leur redonner vitalité et éclat. Donc, si vous voulez, il y a des actions tout à fait déterminées de la wilaya, de l'agence urbaine, qui vont dans le sens d'une préservation du patrimoine. À titre transitoire, les démolitions en cours et celles qui sont autorisées vont être
examiner à nouveau au cours des prochains jours. Donc il y a conscience, je pense, en tout cas au niveau de l'agence urbaine et de la wilaya, de l'urgence d'intervenir. Et dernier point, si vous me le permettez. Rapidement. Tout ceci nous conduit où ? Nous avons entendu Audrey Azoulay tout à l'heure, Bédaoui illustre. Tout ça nous conduit probablement à un projet d'inscription de Casablanca sur la liste du patrimoine mondial, qui serait, je pense, un instrument extrêmement puissant de cette politique d'image et de notoriété que l'on évoquait au début. Et ce serait à saluer, ne serait-ce que Rachid Antalousi, avec tout le travail qui est fait au sein de cette association. J'en parlais tout à l'heure, de Casa Mémoire, tous ces bénévoles mobilisés en permanence. D'ailleurs, j'ai un aveu à vous faire. Vous savez que la première fois que j'ai mis les pieds à Casablanca, la première journée, la première chose qu'on m'a dit, il faut impérativement que tu fasses les visites. Et en fait, c'est comme ça, après être arrivé en train, après quelques heures, que j'ai découvert en fait la ville de Casablanca grâce au travail vraiment extraordinaire que fait Casa Mémoire. Alors Casa, on ne peut pas parler que du passé, il faut qu'on regarde vers l'avenir. C'est une ville sans cesse en mutation. Et si Casablanca regarde résolument vers demain, elle ne peut pas tourner, bien évidemment, le dos à son passé parce que, comme le dit si bien le proverbe, pour savoir où l'on va, il faut d'abord savoir d'où l'on vient. C'est l'une des problématiques du développement de Casablanca. Comment faire cohabiter le passé et le futur? Je vous propose de regarder ce reportage réalisé par notre journaliste Mehdim Sadek sur trois sites casablancais qui sont chargés d'histoire et qui sont en pleine transformation actuellement. C'est l'ancien aéroport de Casa-Anfa, les arènes et bien sûr le Grand Théâtre. Il était une fois les arènes de Casablanca. Même si elles ont été détruites depuis près de 50 ans, personne ne les a oubliées. Leurs traces sont toujours là. Les arènes à Casablanca évoquent un haut lieu de spectacle, de tauromachie, mais aussi de spectacle en tout genre, de concerts, de musique, de rock, chanteurs arabes, Fayrouz. Capitale économique. L'architecture et l'urbanisme ont toujours suivi les innovations de l'époque. Le bâtiment initial des arènes est un bâtiment néo-mauresque, donc il s'inscrit dans cette architecture apportée par le début de la colonisation, où on veut en fait mimer quelque part l'architecture arabe, donc une sorte d'arabisance. Aujourd'hui, en fait, les bâtiments qui se construisent sont des plus modernes, donc on essaye d'arriver à une architecture contemporaine inscrite dans l'air du temps. L'aéroport d'Anfa, plus connu autrefois par le camp Caz, est le plus vieil aérodrome de l'histoire de l'aéropostale. Alors cet aéroport, c'est un aéroport mythique parce que pendant toute la durée de l'aéropostale, en fait cette fameuse ligne qui reliait Toulouse jusqu'à Saint-Louis du Sénégal, puis qui s'est étendue par la suite jusqu'en Amérique du Sud, de nombreux aviateurs ont fait escale ici, avaient l'habitude de faire escale ici à l'aéroport Casa-Anfa. Ce lieu historique où se posaient les avions de Saint-Exupéry et Mermoz, ou encore l'oiseau de Providence de la Rame, est en train de se transformer en un gigantesque projet de 360 hectares au cœur de la métropole. Ce ne sont pas moins de 10 000 logements qui vont être construits. C'était quand même pour les gens de ma génération, surtout un grand mur, parce que cet espace-là était entouré par un grand mur, ça a toujours été un espace dans l'espace. Maintenant, avec ce projet-là, il est beaucoup plus traversant, on peut le traverser, on peut l'actualiser, il est beaucoup plus perméable. C'est un espace à part dans le développement de la ville de Casablanca, on le voit par le type d'architecture qui s'y développe, une architecture différente, à la fois d'un point de vue urbanistique, architectural, tout ce qui se fait ailleurs, mais complètement en cohérence par rapport à l'histoire de ce site qui a toujours fonctionné comme un îlot dans la ville ou une ville dans la ville. Tout le monde s'est pris en photo au moins une fois dans sa vie devant ce que fut cette fontaine.
Aujourd'hui, la fontaine et les pigeons ont trouvé un nouveau lieu pour laisser place au plus important complexe culturel d'Afrique. Un théâtre qui pourra accueillir 1800 spectateurs. Avec ses 20 245 mètres carrés, Casa Art est une véritable prouesse architecturale qui dote la place Mohamed V d'une nouvelle identité. Un espace dédié à tous les arts de la scène, théâtre, danse, musique. Ce haut lieu de la culture accueillera des manifestations nationales et internationales tout au long de l'année. Avant même qu'il n'ouvre ses portes, ce grand théâtre est déjà une fierté pour les Casablancais. Trois gigantesques projets, trois gigantesques chantiers qui sont le visage un petit peu de Casablanca de demain. Moussava Bakouri, le site de Casa Anfa, c'est un site que vous connaissez très bien, un projet qui va totalement transformer la ville, disposer de 300 hectares à aménager en plein cœur de la métropole, c'est quand même assez unique. Absolument, c'est un projet par lequel j'ai déjà été mêlé à Casablanca avant d'être le président de la région, avec une autre casquette à l'époque. Et donc avec mes équipes de l'époque, on a mené tout le travail pour dégager une vision autour du développement de cet aérodrome. Il a fallu l'acheter. Négocier avec les occupants de l'époque. Je rappelle qu'il y avait d'abord des institutions, il y avait notamment une base militaire. Il y avait une base militaire, oui. Il y avait l'école de la RAM et il y avait des logements. Il y avait même de l'habitat insalubre qui s'était développé. Et donc il fallait, sur la base d'une vision d'avenir, la vision d'avenir, je peux la résumer en deux mots, fluidifier Casablanca, et l'oxygéner par les espaces verts. Donc fluidifier parce que, comme ça a été dit dans le reportage, ça a été un mur. Et c'était vraiment un problème pour le développement de Casablanca et notamment de son centre. Donc la fluidifier, on en voit d'ailleurs le résultat déjà aujourd'hui. Et je pense qu'on en mesurera pleinement les effets plus tard avec l'arrivée à maturité aussi du tramway. Parce que fluidifier, c'est initier un système de transport moderne. Et oxygéné, mais ça ne suffisait pas, il fallait donner une vocation à ce morceau de ville, 350 hectares, d'où la Casa Fena City, qui donnait cette vocation d'ailleurs d'avenir, avec le redéploiement vers les services, accentué vers les services, la modernisation aussi, mais aussi l'ouverture sur l'international. Ce projet phare de la transformation de Casablanca, évidemment, faisait partie d'autres projets. Au-delà des trois que vous mentionnez, il y a la Marina, il y a Znata qui aussi permettait, pour revenir sur l'origine de la ville de Casablanca, donc il fallait honorer les Znata, donc la ville nouvelle de Znata, et de l'autre côté, la Green Town. Donc c'est un ensemble de projets qui s'ajoutent aussi aux infrastructures dont nous sommes en train de parler, qui permettent de régénérer et de transformer Casablanca, le système de transport qui est au cœur de cette transformation. Il faut le moderniser, mais il faut aller vite. Ça, c'est une bataille du moment pour que le tramway arrive à maturité. Aujourd'hui, c'est un succès, mais il le sera totalement quand nous allons commencer à avoir des gens qui se passent de la voiture pour prendre le tramway. Et c'est l'objectif derrière les lignes 3 et les lignes 4. À l'extérieur de la ville, ça, ce n'est pas encore gagné. C'est en train d'arriver. C'est en train d'arriver. C'est frustrant tant qu'on n'y est pas, mais c'est en train d'arriver. Par rapport à ce projet, là aussi, comme on le rappelait avec Jean-Philippe Nuel tout à l'heure, vous touchez un lieu historique. Oui. La première piste d'atterrissage, l'aéropostale, ça a fait rêver pendant longtemps. Il y aura un petit hommage sur ce site, réellement. Alors d'abord, la piste est maintenue. C'est l'allée centrale. C'est la fameuse coulée verte. C'est ça, absolument. C'est la coulée verte. Donc elle matérialisera toujours cette... Il y aura une plaque, il y aura quelque chose qui symbolisera. Tout est possible. On peut encore faire beaucoup de choses. Et c'est les générations futures. Et c'est un projet qui va vivre encore, donc il a été pensé pour réussir cette transformation, mais les détails du projet pourront encore évoluer. C'est aussi l'intelligence qu'il faut avoir pour que ces projets
vivent leur temps sur les décennies à venir. La maturité est proche. C'est aussi l'une des raisons pour laquelle, en tant que conseil régional, nous nous sommes engagés au niveau de CFC pour en accélérer le déploiement et être être l'incarnation de ce succès lié à la transformation. Ce sera fini quand ? C'est pour quand ? Alors, c'est déjà fonctionnel, déjà. Déjà, mais... Mais après, il faut épouser les contraintes du marché. Donc, il ne faut pas précipiter les choses. Mais je crois savoir qu'il y a de fortes demandes. Tous les projets immobiliers, de développement immobilier, qu'il s'agisse des bureaux, de logements, à ma connaissance, sont un succès. Il y a même un déficit. Il y a des demandeurs qui attendent. Donc, voilà, c'est les délais d'exécution, c'est les financements par les promoteurs, c'est le marché, mais c'est un projet qui est clairement engagé. Le plan d'aménagement l'a parfaitement sécurisé, donc il n'y a pas de risque de perversion de l'esprit. Et vous êtes sûr, les espaces verts, on n'y touchera plus ? Ah, ben, ils sont dans le plan d'aménagement. Donc, pour revenir à ce qui a été dit tout à l'heure par M. Cohen sur le patrimoine, c'est important d'arriver à figer les choses sur des documents opposables. Autrement, on a toujours le risque que pour des raisons d'un moment donné, on oublie le pourquoi des choses. Alors, l'autre projet que l'on a découvert à travers le reportage de Merlim Seder, c'est les arènes. On a parlé des arènes en plein cœur de la métropole. Ça paraît invraisemblable, la fait de toucher un lieu pareil. Mais voilà, les arènes ont été détruites, Rachid Andalousi, vous nous disiez, en 1971. Merci. Et c'est le projet de Yamed Capital. Mais je crois que, Karim Khali, vous avez une histoire très personnelle avec ce lieu. J'aimerais bien que vous la partagiez avec nous. Effectivement, j'ai un attachement particulier aussi des arènes, pour une raison toute simple, c'est que je suis né dans un appartement à quelques mètres des arènes, du jardin des arènes. Et donc, j'ai découvert les arènes quand je me baladais en poussette avec mes parents là-bas. Puis après, c'était un peu le terrain de jeu d'enfant. On faisait du vélo, on jouait au foot, etc. Et donc, du coup, ça a marqué mon enfance, et ce, jusqu'à l'âge de 14 ans. Et là, on a déménagé. Ensuite, j'ai quitté le Maroc pour aller étudier, travailler à l'étranger. Et j'y suis revenu en 2007. Et en 2007, à votre avis, où est-ce que j'ai élu domicile pour travailler ? Pile poil, en face des arènes, dans l'immeuble qui fait l'angle au-dessus de Marionneau, au deuxième étage, donc j'avais une vue plongeante sur le site des arènes. Et là, à force de passer mes journées à regarder ce terrain d'un hectare en plein centre de Casablanca, je me suis intéressé de façon plus sérieuse à son histoire. C'est là où j'ai découvert le mythe des arènes, parce que c'est un véritable mythe quand même. Et là, depuis, c'est devenu un peu une sorte d'obsession pour moi, parce que je ne comprenais pas comment c'était possible que ce site soit encore libre. Et pendant 10 ans, j'ai essayé, tant bien que mal, de me rapprocher de toute initiative qui était là, un peu pour réaliser un projet sur ce terrain, mais sans succès. En 2017, coup de théâtre... Les arènes, vous tournez le dos. Pendant 10 ans, voilà. Mais j'étais quand même très très content en 2007 de revenir, d'avoir mon bureau là-bas, parce que le lien avec l'enfant, c'était quand même important. En 2017, comme je le disais, c'est vraiment un concours de circonstances incroyable. Je déjeunais en famille, en fait, avec mes enfants à Marrakech. Et là, je rencontre un ami qui me demande est-ce que Yamed a participé à l'appel d'offres lancé par le Crédit du Maroc, qui est propriétaire du terrain, qui consistait à chercher un partenaire pour acheter le terrain, y développer un projet. Il développait aussi le siège social emblématique du Crédit du Maroc, qui était dans les cartons depuis une trentaine d'années. Et là, il m'explique que la deadline est prévue pour le mardi d'après. Donc, comme vous pouvez l'imaginer, vu mon histoire avec les arènes, ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Je me suis éclipsé du déjeuner et de table rapidement. Et là, j'ai appelé l'équipe et on a fait ce qu'on a pu pour déjà essayer de passer cette première phase. Et on l'a dépassé. Et puis, le destin a fait qu'une année plus tard, on a pu un peu se rendre propriétaire de ce site. Je dirais même de ce bout d'histoire de la ville de Casablanca, comme on l'a tous vu. Et donc, du coup... conscient un petit peu du poids de l'histoire qui repose un peu sur ce terrain, on a compris qu'on avait une vraie responsabilité, qui était de voir dans quelle mesure qu'on pouvait recréer ce repère perdu de la ville de Casablanca, parce que c'était un vrai repère, je pense, à l'époque, on peut le dire ainsi. Et donc,
On ne pouvait évidemment pas reconstruire les arènes, parce que je suis triste qu'elles aient été démolies. Mais par contre, ce qu'on peut faire, c'est reconstruire l'esprit des arènes, leur âme. Et donc tout l'enjeu consistait à voir dans quelle mesure ce qu'on pouvait rassembler, fédérer autour de nous des architectes marocains, des designers internationaux, des opérateurs internationaux, des acteurs internationaux, pour faire renaître un petit peu ce lieu de ses cendres. Et donc, finalement, je ne vais pas m'attarder sur le projet, si vous permettez, parce que ce qui compte aujourd'hui, pour nous, ce n'est pas tellement le projet qu'on va fabriquer, mais la capacité qu'on aura ou pas à fabriquer de l'énergie, de la vie, et une atmosphère particulière sur ce site. Il est là l'enjeu pour nous aujourd'hui. Alors, pour y arriver... C'est redonner vie au quartier, parce que pendant longtemps, en fait, ça a été un terrain vague, il n'y avait rien. Absolument. Donc aujourd'hui, on a plusieurs enjeux. Donc, le premier, encore une fois, la ligne directrice, c'est comment recréer un lieu de vie important, un repère, dans la ville de Casablanca. Et donc, dans cette optique-là, on en a parlé tout à l'heure, l'hôtellerie. D'ailleurs, j'aime bien le terme en anglais, c'est « hospitality ». C'est donc hospitalier, les Marocains sont connus pour être très hospitaliers. Donc du coup, le projet en fait est conçu, le cœur du projet c'est l'hôtel. Et l'hôtel, pour nous, c'est le trait d'union entre le passé et le futur de ce site, mais aussi c'est une façon d'ouvrir le projet, de le rendre accessible aux habitants de Casablanca, mais aussi aux visiteurs, parce que l'hôtel peut accueillir aussi bien les résidents de Casablanca que les visiteurs. Vous rejoignez ce que disait en fait tout à l'heure Jean-Philippe Nuel. Absolument. De la transformation justement de l'hôtellerie aujourd'hui. Un hôtel, ce n'est pas juste pour dormir, ce sont des restaurants, ce sont de grandes terrasses, ce sont... Alors, je partage parfaitement le point de vue de Jean-Philippe, c'est la raison d'ailleurs pour laquelle il est le designer de l'hôtel des Arènes. Et d'ailleurs, on avait fait un appel d'offres à l'époque, et une des raisons qui nous ont rapprochés, c'est quand j'ai appris qu'il avait fait sa thèse d'architecture sur la ville de Fès, donc il avait un lien avec le Maroc. Et aujourd'hui, le travail qui a été fait a consisté à clairement puiser dans l'histoire de la ville de Casablanca, s'inspirer de l'esprit des arènes pour concevoir ensemble notre vision, qui est ce qu'elle est, de l'hôtel de demain. Et autour de cet hôtel de demain, comment agglomérer aussi, vu la taille du site, le logement de demain et le bureau de demain. C'est un projet mixed use, plusieurs composantes. Donc il y a un enjeu sérieux pour nous. Encore une fois, vous l'aurez compris, ce projet nous passionne. On y est pleinement engagé et on espère vivement qu'une fois terminé, ce projet pourra contribuer modestement à reconfigurer positivement la physionomie du quartier. Voilà, à la vie, redonner l'aile. Et pour boucler la boucle avec ce qui a été dit tout à l'heure par Richard Attias et la ministre du Tourisme, alors, le développement d'une ville a besoin de mouvements artistiques, culturels, architecturaux, c'est très important. Mais comme a dit Simstafa Bakoli tout à l'heure, le développement d'une ville passe aussi incontestablement, inévitablement, et Casablanca ne fera pas exception à cette règle, aussi par l'accompagnement de tous ces mouvements de bâtisseurs urbains qui sont capables de conceptualiser et de porter financièrement des opérations de grande envergure, qui sont capables de maintenir en continu et de réinventer le positionnement d'une capitale qui a vocation à devenir une métropole internationale. Alors justement, cette image de l'international... Cela va être la vocation de ce grand théâtre, très attendu par tous les Casablancais. On parlait de lieux culturels, Rachid Andalousi, depuis tout à l'heure. Mais c'est vrai que là, on n'attend qu'une chose, c'est qu'il ouvre. Mais je voudrais revenir juste sur l'architecture. Excusez le mot, mais c'est quand même culotté d'avoir fait une bâtisse aussi futuriste, moderne, en plein quartier Art déco. Tout à fait, mais à Casablanca. Je voudrais d'abord retourner en arrière, si vous le permettez, parce que c'est en lien avec le théâtre, avant d'en parler, c'est de vous dire, par rapport à tous ces méga-projets, que ce qu'on assiste à ces 20 dernières années, à une réelle réconciliation avec la ville. C'est-à-dire que les villes au Maroc étaient un peu oubliées. Et donc les plans d'aménagement de Casablanca ne sont venus qu'en 1986. Et pour recoudre un peu le passé avec le présent, effectivement, la ville, entre-temps, a perdu ses paramètres, par la démolition, par l'oubli, par l'inadvertance, par ignorance peut-être aussi, mais aujourd'hui, on assiste réellement à une réconciliation, de reconstruction de la ville et replacer la ville dans ses identités perdues. Donc,
Et on n'a pas parlé d'identité, et c'est ça la ville. La première identité de cette ville, c'est sa couleur blanche, qui est en son nom. Et c'est dommage, et c'est l'occasion peut-être d'avoir une ville unique au monde qui soit entièrement blanche, parce qu'elle porte sa couleur en son nom. Et moi, je considère, en tant qu'architecte, aujourd'hui, que pour nous, les architectes, si on présente des bâtiments dans une autre couleur que le blanc, c'est peut-être un crime. Je suis un peu extrémiste, Non, vous n'avez pas tout à fait tort, mais... parce que Marrakech a la couleur rouge. Je m'excuse deux petites secondes, parce que j'ai oublié quelque chose d'important, parce que, juste avant de passer au théâtre, et je reviens à vous tout de suite, je vous le promets, Rachid Andalousi, sur ce même site, en fait, des arènes, il y aura également le siège du Crédit du Maroc, c'était d'ailleurs le premier propriétaire. Et on a justement un message du président du directoire de Crédit du Maroc, Bernard Muselet. Bonsoir à tous. Alors je voudrais d'abord chaleureusement remercier les organisateurs de cette émission qui n'est pas banale, hein, ce TV show online. Je pense que le patrimoine de Casablanca est absolument unique. Il faut à la fois le faire connaître, le préserver, mais un patrimoine c'est vivant, c'est pas figé, et je crois qu'il doit se réinventer et s'enrichir, ben, s'enrichir justement au travers des projets qui attestent aussi de la dynamique d'une ville. Et c'est réjouissant de savoir qu'il y a des projets et que nous en faisons partie. Alors Crédit du Maroc, c'est une ville, c'est une banque qui est déjà ancienne, hein, 90 ans d'histoire, donc qui est bien ancrée dans le paysage économique marocain. Nous sommes aujourd'hui installés boulevard Mohamed V, donc ce qui en soi est déjà un lieu mythique, emblématique de l'architecture casablancaise, Art Nouveau, Art Déco évidemment. Et nous avons décidé donc d'investir prochainement le site des arènes, un autre lieu mythique. Ces arènes donc créées en 1913 et qui ont animé ce quartier boulevard d'Anfa. Et finalement, ce programme d'installation d'un nouveau siège social donc, sur le site des arènes, nous avons d'ailleurs tenu à conserver l'appellation Les Arènes, ce qui montre ce besoin en permanence de se raccrocher à l'histoire, de se raccrocher au passé, et en même temps d'être un trait d'union avec l'avenir, parce que ce programme est un programme ambitieux, très moderne, avec de la co-création avec nos collaborateurs, des architectes qui évidemment nous ont permis de faire de l'innovation. Donc ce sera un projet totalement nouveau, mais qui, je pense, contribuera aussi au renouveau du quartier, qui a été à une époque bouillonnant et qu'il sera demain. Et de fait, ce projet, comme d'autres, participe, je pense, à la dynamique et au renouveau du patrimoine. Alors, je ne vais pas jusqu'à dire que le bâtiment demain fera partie du patrimoine de la ville, mais quelque part, il va contribuer à ce renouveau. Et donc, je pense que tous ces projets qui émergent et qui, encore une fois, sont réjouissants, a fortiori au sortir du confinement et de ce que certains, de ce qu'on peut même considérer comme un début de crise économique, c'est réjouissant de voir qu'il y a des projets à Casablanca et qui vont donc définir le patrimoine culturel de la ville de demain. La ville de demain, on parlait du théâtre Rachid Andalousi, ce grand théâtre, il va faire partie de la ville de demain. Tout à fait. Indéniablement. Donc, je parlais de paramètres, d'identité et des réconciliations avec l'urbanisme. Et on voit Casa Financial City, on voit un tram serpenté Casablanca, alors qu'on sait qu'à Casablanca, il y avait un pseudo-tram, Toby Silk, c'est pour ceux qui s'en souviennent. Et d'autres, le théâtre aussi vient aujourd'hui pour nous consoler de l'ancien théâtre démoli à Casablanca et surtout sur la place Mohamed V qui vient boucler cette belle place avec la Wilaya, avec la poste, la Mahkama et les services le bâtiment des services municipaux de la ville. Donc le théâtre, il est d'abord blanc, entièrement blanc, qui répond à un des paramètres premiers de cette ville, et par ailleurs il vient faire la couture urbaine. Vous allez, je ne sais pas si on pouvait voir l'image du théâtre. À droite du théâtre, on se mettait devant, il y a un immeuble de 11 étages, l'immeublioté. Et de l'autre côté, à gauche, vous avez des bâtiments en R+2, à peu près de 14 étages. Et il fallait faire la couture. Et le bâtiment vient faire la couture en une espèce de geste dégradé, et graduellement, qui va aller chercher du haut vers le bas,
avec une architecture plutôt, comme on dit, entre guillemets, éclatée. On a l'impression que c'est quelque chose qui est poussé de terre, qui allège le bâtiment, qui boucle la place. La place n'a de sens que lorsqu'il y a des bâtiments périphériques qui la forment. Et c'est ça ce qui est important. C'est un théâtre qui va faire l'événement. On parlait de palais de congrès. Il peut aussi jouer le rôle de palais de congrès, puisqu'une salle de 8000 places, c'est une salle très importante. Ce n'est pas seulement 8000 places, la capacité d'occupation instantanée et maximale. Il y a un théâtre de 600 places et deux autres salles de spectacle. Ça fait 4 en plus. Une estrade qui donne sur la place elle-même. Je vais devoir accélérer pour parler du Casablanca de demain parce qu'on aimerait avoir aussi avoir le temps de faire un tour de plateau et tous ceux qui sont en duplex avec nous, parce que le Casablanca de demain, avec une place majeure accordée justement à la culture, peut-être avec des dizaines de milliers de touristes chaque année, le grand groupe hôtelier Hilton y croit. Puisqu'il a décidé de développer deux de ses enseignes à Casablanca. Alors nous avons en duplex avec nous depuis Dubaï, je crois, à présent, avec Joachim Schleffer, c'est le président Moyen-Orient, Afrique, Turquie et de Hilton. Monsieur Schleffer ? Ah ben voilà. Oui, bonsoir. Je regardais du mauvais côté. Bonsoir, merci d'être avec nous. Après la ville avec de Tanger, plaisir. Monsieur Schleffer, avec trois hôtels, pour la première fois, le groupe Hilton s'installe à Casablanca. Est-ce que vous pouvez nous dire qu'est-ce qui a motivé cette décision ? Bonsoir. Tout d'abord, je me suis installé au Canopy à Dubaï, un des premiers canopies qu'on a au Moyen-Orient. Et maintenant, je suis tout à fait excité de vous annoncer qu'on va arriver à Casablanca. Casablanca, une ville que moi, personnellement, j'ai visitée deux, trois fois déjà, une ville qui bouge énormément. Je pense qu'avec Yamet Capital, on est arrivé à trouver les vrais partenaires qui ont vraiment compris ce qu'il faut faire dans le quartier des Les Arènes. Et on va installer une marque d'hôtel qui s'appelle Canopy, donc une marque d'hôtel, un hôtel de très haute gamme qui est caractérisé par sa façon d'opérer vraiment dans la ville, dans le quartier dans lequel il se trouve, avec les produits locaux. Et quand j'ai entendu les autres gens parler sur cette émission, je pense que ça va très bien fonctionner parce qu'on parle de tout le quartier mythique, tout ce qu'il y a eu dans les années précédentes. Et je pense que Yamet fait un travail extraordinaire à revivre le quartier. Donc, ce sera un Canopy Casablanca Les Arènes. Et est-ce que, avec son développement, Casablanca, vous diriez, on a entendu en début d'émission, Monsieur Richard Attias, l'importance en fait de l'hôtellerie digne de ce nom, d'un hôtel digne de ce nom. Est-ce que vous pensez que Casablanca, vous de votre côté, pour le groupe Hilton, a cette ville un réel potentiel pour booster son tourisme international ? Absolument, absolument. Je pense que quand on a un plan de développement de tourisme, du business, donc des voyages d'affaires, je pense que c'est important de travailler avec des marques internationales, des marques que les clients connaissent. Et je pense qu'avec nos marques différentes, on a plusieurs marques, vous avez référé déjà, qu'on a ouvert, donc on va ouvrir deux hôtels à Casablanca, qu'on a trois à Tanger, on a un projet signé récemment à Rabat également. Vous savez, juste peut-être comme petite anecdote, nous on s'est installé en Maroc déjà en 1967. Donc l'hôtel Hilton Rabat est ouvert par notre fondateur, Conrad Hilton, personnellement. Donc on a une très longue histoire dans le Maroc. Mais pour répondre à votre question, Casablanca, si vous le permettez, justement, vous parlez de Tanger, vous parlez de Rabat, mais pourquoi pas Casablanca ? Oui, mais Casablanca, justement. Donc, je suis très excité que maintenant, on a deux hôtels, deux projets, et dans des projets très importants pour nous. Je pense que Casablanca, comme je vous disais, j'ai visité deux, trois fois moi-même. C'est une ville qui bouge énormément, qui a vraiment beaucoup de potentiel, je dirais, au point de vue culture, au point de vue gastronomie. Moi, j'ai mangé personnellement très, très, très bien. Et donc, c'est une ville, à mon avis, qui peut donner un atout. Le Maroc, à mon avis, il y a beaucoup de gens qui s'arrêtent à visiter le Maroc quand ils ont visité Marrakech. Et je pense que le Casa a vraiment une opportunité là. Je vous remercie infiniment d'avoir été avec nous en duplex depuis Dubaï. Donc, on vous dit à très bientôt. Cela veut dire qu'on vous verra à Casablanca
très bientôt, Inch'Allah. Merci beaucoup de votre... Merci. Alors, durant cette émission, nous avons parlé de l'histoire de Casablanca, du tourisme, de la culture, des grands défis, mais nous n'avons pas parlé des Casablancais. On a évoqué un tout petit peu l'humain. Et juste avant de faire un tour de table avec tous, que vous nous racontiez, comme ça vous allez avoir le temps d'y réfléchir, comment vous l'imaginez, votre Casablanca de demain? Comment vous la voyez grandir, cette Casablanca? Il y a une jeune comédienne humoriste qui a dressé un peu le portrait des Casablancais. Je vous laisse découvrir. Ouais, tu fais un reportage sur Gaza? Vas-y, sans langue de bois. Ça aide à se repérer, artiste, peintre. Pour moi, Gaza, c'est les Porsche Cayenne aux portes de Cayenne. Pour moi, c'est du strass et des traces. Pour moi, Gaza, c'est le contraste. Voilà. Moi, chouf, je connais Gaza comme ma poche. Enfin, la poche de mon mari, surtout. Je connais le tout Gaza, enfin. Mais je suis très chabille, hein. Il m'arrive même d'aller au CIL, pour vous dire. Mais pour moi, Gaza, c'est le sun, c'est... Ah non, 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 au sun, on n'a pas le même soleil que vous. Ah non, 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 on a un autre, le nôtre. Comment ça? Vous allez pas me dire que c'est le même astre pour tout le monde? Ne me dites pas que je bronze avec le même soleil que ceux d'Ain Diab. Oh, je pensais que ça justifiait les droits d'entrée. Le sun, soleil. Je me sens beaucoup moins privilégiée. Oh, j'ai besoin d'air. Même ça, c'est le même. Chemin, 15 ans. Cabestan, cascade, petit rocher. Cabestan, cascade, petit rocher. Cabestan, cascade, petit rocher. Je serai pas sirène sur son petit rocher. Cabestan, cascade, petit rocher. Cabestan, cascade, petit rocher. J'ai le 15 ans. C'est tout ce que je connais de 15 ans. Cabestan, cascade, petit rocher. Allô, Malka. Chiki Chafier Serbe. Avec tous les clients qui. C'est dingue. Pardon? Ouais, c'est moi, Jade, ouais. Kaza, je connais surtout Drouba. Parce que c'est là que j'amène mes conquêtes. Je les pêche, puis je les rejette à la mer. Je suis écolo. Parce que je peux vous dire qu'il y a du réchauffement climatique dans ma caisse quand elles sont là. À Indieb, je suis le plus grand des loups. Je cherche mes petits chaperons aux rouges à lèvres rouges. D'ailleurs, j'ai cru en reconnaître un. Faut qu'elle se retourne parce que je ne les reconnais que par derrière. Ah, je gâtis Hamada. Oh, ce soir, qu'on levait mes ombres, sahbi. Combo. Vous l'aurez reconnu, c'est la comédienne humoriste Esma El Harabi, voilà, qui a dressé un petit, très connu sur les réseaux sociaux, voilà, qui a dressé un petit portrait. On va faire un petit tour de table, que vous nous parliez de votre Casablanca de demain. Comment vous l'imaginez? Comment vous voyez grandir Casablanca? Et je vais commencer avec Richard Attias. D'abord, je tiens à vous féliciter vraiment parce que cette émission longue a fait un tour de table formidable. Vous êtes parti des racines, de l'histoire, et ce que ça m'inspire maintenant, au moment de conclure, en ce qui me concerne, c'est que le Casa de demain va mériter plus que jamais un mot. Vous avez demandé au début quel est le mot qui incarnait. En écoutant tout le monde, en écoutant le grand architecte Andalousie, en écoutant le président Bakouri, etc., et surtout les trois artistes femmes, je pense que Casablanca va incarner la liberté. Et je crois vraiment que ça doit faire partie de l'ADN de Casablanca d'aujourd'hui, la liberté. Et qu'avec toutes les infrastructures qui sont en train de se mettre en place, et je m'en réjouis, puisque je vois que tout ce que j'espérais va se réaliser, je crois qu'il ne restera plus qu'une seule chose, c'est de réinventer le passé. Ce passé que Tanji a évoqué et qui est magique. Et puis vous l'avez dit, les Casablancais ont un rôle clé dans la promotion de la marque Casablanca. Et il ne faut pas oublier que l'humain est capital et que Casablanca a donné naissance à des personnalités extraordinaires. Et il faut le rappeler, je crois qu'elles ont maintenant comme mission, toutes ces personnalités natives de Casablanca, de promouvoir la ville à travers le monde. Casablanca a donné naissance à un prix Nobel, Casablanca a donné naissance à des champions olympiques, Casablanca a donné naissance à des boxeurs, Casablanca a donné naissance à des artistes et Casablanca a donné naissance à des champions économiques, pour ne citer que l'OCP, qui est le leader mondial dans son domaine. Donc je me réjouis vraiment de tout ce qui est en train de se préparer, et je crois que le Maroc va avoir, en sa capitale économique, incontestablement une ville qui va rayonner sur le plan mondial. Bravo à tous, vraiment.
Merci beaucoup, Richard Attia. Je vais poser la même question à vous, Jean-Louis Cohen. Comment vous l'imaginez, le Casablanca de demain ? Casablanca doit être conforme à ce qui est sa personnalité. Casablanca s'est construite comme ville-monde, comme ville à l'échelle du monde, comme ville qui contient le monde. Et donc, elle doit garder cette ouverture, cette porosité. Dans le même temps, elle doit garder aussi ce qu'elle a d'authentique, c'est-à-dire ses édifices, c'est-à-dire ses paysages, ses hommes, ses activités culturelles. Liberté incontestablement. On disait au Moyen-Âge, l'ère de la ville rend libre et l'ère de la grande ville rend encore plus libre, bien qu'il y ait d'autres problèmes. Donc je pense que c'est Casablanca, ville-monde, libre, capable de préserver et de valoriser ce qu'elle a de plus beau. Casablanca a des beautés de grande ville au bord de la mer tout à fait exceptionnelles. Il faut les aimer, les chérir et les protéger. Merci beaucoup, Jean-Louis Cohen. Je vais me tourner. J'ai vu que vous étiez tous très concentrés et en train de réfléchir, déjà, en train d'imaginer votre Casablanca de demain. Zineb Andrassal, comment il est votre Casablanca de demain ? Alors, comment vous l'imaginez ? Comment je l'imagine ? Je l'imagine avec beaucoup d'amour. Quand je dis amour, c'est qu'en fait, je suis désolée de le dire, qui a notre respect de certaines professions dans le sens où aujourd'hui, le nouveau CASA qu'on est en train de construire, c'est bien joli, mais architecturalement, il n'y a rien d'extraordinaire. Je ne parle pas de tout. Je parle par exemple de certains logements et je le dis haut et fort. Et ce n'est pas normal parce que ce qui fait la spécificité de CASA, c'est que justement, on a pensé aux gens. Et en fait, moi, je voudrais que l'avenir de CASA, il réside dans sa jeunesse et dans le fait que les politiques et tous les gens prennent en compte les gens et qui leur donne. J'aimerais travailler avec un plombier qui aime la plomberie, j'aimerais travailler avec un carreleur qui respecte le carreau. Mais ils ne peuvent pas parce qu'ils ne savent pas. Et j'aimerais qu'on donne de la valeur aux gens de peu, parce que sinon on pourrait construire tous les hôtels du monde et ben personne ne pourra servir les gens du standing que vous allez ramener. Il faut aller miser. Oui, et moi je pense que l'avenir il se fait. Je crois en Casablanca plus que tout et plus que jamais, mais je pense qu'on pourra construire tout ce qu'on veut. Il faut penser à l'usage, à la manière dont on vit. Zineb, aussi des écoles internationales, des écoles de formation. Bien sûr. Voilà, il est... tout ça ne peut pas se faire sans ça, parce qu'après, ça va être des boîtes vides. Et encore, ça sera que des écrins. Et l'architecture, ce n'est pas une façade. L'architecture, elle naît d'un usage, elle naît de personnalité. On est tous différents. Tout ne peut pas être pareil. Enfin, c'est mon souhait en tous les cas. Mais c'est ce qu'on voulait entendre aussi, c'est votre souhait. Quel est votre souhait à vous, Mohamed Tanji ? Que Casablanca prospère. Mais Casablanca, pour moi, c'est comme on l'a présenté comme un certain livre où on a omis de lire les premières pages. Et les premières pages, c'est bien l'ancienne Médina de Casablanca. Et on a remarqué qu'en 2010, Sa Majesté le Roi a donné un intérêt exceptionnel à cette ancienne Médina qui est vraiment l'âme de la ville de Casablanca. Et le geste de Mohamed VI est un geste historique parce que depuis le sultan Moulay Hassan Ier, aucun monarque n'a fait une visite officielle. Ils ont tous fait des prières en ancienne Médina, mais je reprends, une visite officielle en ancienne Médina, c'était depuis Moulay Hassan Ier. Donc moi, je pense que les jeunes Casablancais, d'abord, il faut leur rappeler leur histoire. L'histoire de Casa, c'est l'ancienne Médina. L'histoire de Casablanca, c'est cette population mixte qui était dans l'ancienne Médina. À l'arrivée, à partir de 1907, on a commencé, justement, M. Rachid Endoussi peut me contredire, le plan Proust, les premières esquisses du premier Proust étaient des coupures sur l'ancienne Médina. Monsieur Tanji, regardez-moi dans les yeux, je vous le promets qu'il y aura d'autres émissions, et je sais que certains d'entre vous sont frustrés parce qu'on n'a pas eu le temps, en fait, tous les points, je vous le promets, regardez-moi, je vous le promets. Aïchel Beloui. Votre casa de demain ? Mon casa de demain serait un casa qui serait beaucoup plus vécu que subi,
Et par là, forcément, je parle de l'individu, investir dans l'individu et qu'il y ait moins cette croissance parallèle où on s'intéresse à l'international, beaucoup plus à ce qui se passe à l'intérieur. Et du coup, cette connaissance que l'on a ici sur ce plateau de Casablanca, que ça soit plus un privilège, que ça soit quelque chose qui soit généralisé, qui soit intégré dans l'éducation pour que les gens s'approprient cette ville. C'est une ville qui est très très dense, où il y a plein d'énergie, mais cette énergie, il va falloir les utiliser pour la ville, mais pas contre la ville à un moment. Donc voilà. Mustapha Bakouri, je vais vous demander, parce qu'on est pratiquement à la fin de cette émission, un petit peu court, Mustapha Bakouri, votre Casablanca de demain, vous en rêvez comment ? Alors, mon Casablanca de demain ne peut que s'appuyer sur le Casablanca d'aujourd'hui, vis-à-vis duquel nous avons des responsabilités. Et c'est ce qui créera les bases pour avoir le Casa dont nous pourrions rêver tous, un Casablanca représentatif du Maroc, pluriel, où la cohabitation est la définition de cet espace. L'ouverture, c'est l'international. Mais pour ça, des infrastructures qui manquent, de la disparité qu'il faut traiter, et beaucoup de projets se font à ce niveau-là. Une jeunesse qui s'implique dans la construction de cet avenir. Rachid Andalousi. Pour reprendre ce qu'a dit M. Attiat, la liberté, c'est dit M. Jean-Louis Cohen, que ce salut, il a parlé de ville-monde, je dirais, ville généreuse. Casablanca a toujours été l'Eldorado, la ville généreuse qui a induit beaucoup de richesses. Tout le monde est venu à Casablanca pour réussir et plein de monde ont réussi à Casablanca. J'espère que cette ville continuera dans sa générosité et je ne pourrai pas laisser l'occasion passer pour ne pas saluer les ouvriers qui ont fait cette ville, oui, dans les cités ouvrières, les artisans qui ont travaillé pour redonner vie à l'artisanat marocain, okay, à participer à cette culture. J'espère que Casablanca reste aussi dans la créativité pour servir les Casablancais. Et Casablanca ne se fera jamais sans ces Casablancais. Tous ceux qui sont à Casa aujourd'hui, nés à Casa ou pas, sont Casablancais et doivent participer à Casa. New York ne s'est pas fait sans les New Yorkais. Paris ne s'est pas fait sans les Parisiens. Et Casa ne se fera pas sans la contribution de tout à chacun, les Casablancais. Et pourquoi pas le Maroc, parce que Casa, c'est aussi le Maroc. Oumma, je vous pose la même question. Eh bien, moi, je souhaite à Casablanca d'être à l'instar des grandes villes du monde, Paris, New York, Madrid, Mexico, d'accueillir dans son son ambiant, dans son bruit, la musique dehors, dans l'urbain, dans les parcs, dans les places. Et j'espère deux choses, en fait. Ça existe dans le reste du monde, dans les grandes villes. Il faut juste réglementer cela. Il y a une réglementation, on peut demander, il y a des auditions qui se font, donc auprès des autorités, des communes, faire que ça existe, faire des lois, que ça puisse exister, les musiciens de rue qui font partie de la vie de la ville. Et à côté de ça, eh bien, que aussi les grands promoteurs, n'est-ce pas, immobiliers et hôteliers aussi, puissent réserver, pourquoi pas, un petit fonds, quelque chose qui puisse rémunérer les musiciens de rue. Vous savez, quand on marche dans Montréal, par exemple, il y a un guitariste à côté d'un feu rouge, eh bien, on va l'entendre peut-être 2 minutes, et puis les 10 mètres qui vont suivre, il va nous faire sourire. Et c'est ça aussi, vivre une ville et s'en souvenir. Donc, j'espère de la musique dans le son de Casa. Je termine ce tour de table parce qu'on arrive à la fin de cette émission avec vous, Kerem Khali. Pourquoi vous êtes à l'initiative de tout ce projet ? Pourquoi ? Mais et écoute, c'est très important, en fait, excusez-moi, d'ajouter que vous l'avez voulu en ligne. Vous vouliez une grande émission sur Casablanca, rendre hommage à Casablanca, mais vous vouliez pour les Casablancais et que ce soit sur les réseaux sociaux. Pour les réseaux sociaux. Bon, Casablanca est un véritable mythe urbain. C'est une histoire en chantier, comme on l'a vu, dont nous sommes tous acteurs aussi différents les uns des autres. Et donc, cette émission, elle s'inscrit un petit peu dans un engagement qu'on a voulu prendre ensemble, d'ailleurs, avec notre partenaire 2M, pour un peu nourrir une réflexion sur la ville de Casablanca, et contribuer de façon citoyenne à son rayonnement à l'échelle nationale, casablancaise, nationale et internationale. L'idée aussi pour nous, à travers cet événement, c'était d'être un peu, de réveiller tous ces mouvements qui sont là, qui sont latents, qui existent, qu'on n'invente rien, loin de là, et de contribuer modestement à les accompagner
pour créer une sorte de conscience collective capable de faire de Casa, finalement, ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire une ville enchaînée au progrès, un territoire de développement riche de projets emblématiques et atypiques, et tout simplement, je dirais, faire de Casablanca une capitale internationale et la vitrine d'un pays moderne et dynamique qu'est le Maroc. Excusez-moi, deuxième question. Pas une émission télé, c'est une émission sur les réseaux sociaux. Alors, c'est une question qu'on m'a souvent posée ces derniers jours, justement. Bah oui. Alors, les raisons sont relativement simples. La première, c'est parce qu'on voulait que cette émission soit ouverte au plus grand nombre, qu'elle traverse les frontières, les générations, d'ailleurs, en ce moment, comme vous le savez, on a souhaité que l'émission soit simultanément en français et en anglais pour aussi être ouverte aux personnes anglaises. Et ce soir, en fait, on peut la découvrir dans de nombreux pays. Absolument. Je peux répondre ? Bien sûr. Les réseaux sociaux aujourd'hui sont les nouvelles arènes. Exactement. Ah, c'est très joliment dit. Merci pour cette belle idée. Je n'y avais pas du tout pensé. Je suis inspiré de ce qui était en train de se dire. Mais vous avez raison, en fait, quand on dit que ces nouvelles arènes, c'est qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont les vrais médias puissants du monde aujourd'hui et sont les vrais canaux de communication. Et aujourd'hui, c'est très marrant parce qu'en parlant avec plein de gens, on me dit, mais tu sais, c'est mes enfants, ce sont mes enfants qui me parlent de l'émission. Je pense que si on avait fait un format télé classique, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui n'auraient pas su probablement pour cette émission, parce que le format digital, en fait, c'est un format moderne, et on a voulu tout simplement un format moderne pour véhiculer un message de ville moderne. Et dernier point, je reviens à notre ambition, notre objectif initial, qui est quand même de promouvoir le rayonnement de la ville de Casablanca. Et je pense que le format digital permet un peu de rééditorialiser un petit peu tout ce qui vient d'être dit, et d'en faire un contenu très intéressant pour véhiculer un peu le message qu'on veut faire passer dans cette logique un peu de marketing territorial sur laquelle on peut travailler sur la ville de Casablanca. On arrive à la fin de cette émission. Un très grand merci à vous tous d'y avoir participé. Un grand merci à New York, à Richard Attias d'avoir consacré tout ce temps, parce que ce n'est pas facile derrière un ordinateur quand on n'est pas en plateau. Un énorme merci également à Jean-Louis Cohen. Merci à vous tous d'y avoir participé. Et ce n'est pas fini, peut-être d'autres rendez-vous à venir. Vous voulez rajouter un mot ? Préciser que, premièrement, cette émission n'est pas un événement ponctuel, parce que, comme vous le savez, avec 2M, on s'est engagé à produire un certain nombre d'émissions, toujours dans la même logique, pour ressusciter un petit peu ensemble, tous ensemble. Vous voyez, monsieur Tandji, que je ne vous ai pas menti. Voilà. Mais... Voilà, donc ça c'est important de le savoir. Alors cette émission sera aussi diffusée, si j'ai bien compris, sur 2M à la télé le lundi prochain. Je crois qu'on sera le 6 juillet à 22h. Et pour finir, je voudrais très chaleureusement remercier 2M, parce que vous nous accueillez chez vous aujourd'hui. Remercier aussi les équipes qui ont travaillé avec nous, notamment notre agence créative Bonsaï qui nous a permis de mettre tout ça en place en un temps record, parce qu'on a eu l'idée ensemble il y a un mois. Et aussi, bien sûr, l'ensemble des speakers ici présents. Merci de nous avoir fait l'honneur d'être parmi nous. Richard Attias, merci. Alors, pour la petite anecdote, j'ai eu l'idée de faire cette émission un vendredi. Et la première personne auprès de laquelle j'ai voulu tester cette idée, c'était Richard Attias. Donc j'ai essayé de le joindre, avec le décalage horaire à New York, c'était un peu compliqué. On s'est parlé le week-end. Et quand j'ai donné l'idée, il m'a répondu en fait en deux mots, en arabe. Il m'a dit « Anamak ». Donc je tiens à le remercier de ce soutien. Je remercie aussi toutes les personnes qui étaient en duplex, donc Madame la ministre du Tourisme du Maroc, Nadia Ftah, Madame Audrey Azoulay, directrice générale de l'UNESCO, nos amis de Hilton, Chris Nassetta, Joachim Schleifer, Jean-Philippe Luel, Monsieur Jean-Louis Cohen, Sia Rachid Andalousi, merci beaucoup, qui est une source d'inspiration pour beaucoup d'entre nous. Zineb Andres, Araki, merci beaucoup. Merci, moi j'ai envie de vous dire merci à vous. Merci à vous de nous avoir donné cette opportunité de tous nous réunir. Et le grand merci, eh bien, on va l'adresser à vous qui nous avez suivis ce soir. Un très grand merci à toutes les équipes de Yamed Capital pour cette émission. Un grand merci à l'agence Bonsaï. Et un énorme merci un par un à toutes les équipes de 2M qui ont participé à la réalisation de cette émission. Je vous dis à bientôt. Au revoir.